Salut à toi seigneur de guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV, et ici si ça parle... CORN Non, Wargame Ah merde, Wargame Je suis en compagnie de Nounours pour notre premier rapport de bataille au format ITC. Avant de commencer cette vidéo, vous pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, à nous rejoindre sur Facebook et Instagram, et pour nous soutenir, ça se passe sur Tipeee. Allez, c'est parti les amis Dans ce tout nouveau rapport de bataille, nous avons décidé d'introniser le format ITC. Vous l'avez découvert il y a peu de temps sur une vidéo Warhammer Academy. Les scénarios ITC représentent une nouvelle façon de jouer et une nouvelle façon d'aborder le jeu. Avec Nounours aujourd'hui qui nous vient avec son armée Space Marine du Chaos Démon et moi qui vais jouer Grey Knight, on va vous apporter euh, ces nouveaux scénarios sur la table de jeu. On espère que ça va vous plaire. Si vous recherchez toute la documentation sur ces scénarios, vous les trouvez dans les liens de la description de la vidéo. Vous pouvez y accéder librement et les partager allègrement dans vos cercles de jeu. Vous pouvez même vous en servir dans les tournois, etc. etc. Avant de commencer de rentrer dans le vif de cette vidéo, je vous rappelle que cet été au mois d'août va se jouer l'ETC 2020 et qu'il se jouera au format ITC. Commander TV va donc y envoyer trois équipes. Deux équipes sur Warhammer 40 000 et une équipe sur le trône de fer. En ce qui concerne les équipes sur Warhammer 40 000, nous allons lancer l'équipe Legends, dont je serai le capitaine, et l'équipe Heroes, dont Nounours sera le capitaine. Vous avez right. ici présents les deux capitaines des équipes Commander TV. Vous allez suivre l'aventure ETC à travers un bon nombre de vidéos. Ça commence aujourd'hui à travers ce rapport de bataille et on va vous amener plein de contenu pour évoluer avec nous dans cette aventure que va être l'ETC 2020. Vous pouvez nous soutenir et eh bien tout simplement en mettant un pouce bleu sous les vidéos, en partageant, en commentant et en nous aidant à diffuser un maximum le contenu. On espère que tout ça va vous plaire et on attaque de suite le rapport de bataille. OK. Aujourd'hui pour cette première, on va jouer le scénario numéro 1 du Rules Pack ITC. Alors, il faut savoir que sur ce scénario-là, les objectifs sont déjà fixes et positionnés. Vous le découvrez dans ces images. Les décors qui sont utilisés sont euh, ceux issus de la gamme de My Scenery. lien dans la description, et ça représente les tables 3 et 4. Ce sont des ruines. On n'oublie pas que euh, les ruines sont considérées au niveau des rez-de-chaussée comme étant complètement bloquants. En l'occurrence, sur ces décors-là, il y a pas mal de fenêtres qui laissent apparaître des lignes de vue. Elles ne seront pas considérées euh, tant que c'est au rez-de-chaussée. Euh, voilà pour, euh, pour la table. En ce qui concerne le scénario à proprement parler, euh, les points bonus qui sont accordés à ce scénario vont être que le joueur qui conteste ou contrôle 4 objectifs à la fin de son tour marque un point de victoire supplémentaire. Et maintenant, on va passer à la description des listes. Alors ma liste de 2000 points sera composée de 3 détachements. Le premier sera un détachement bataillon Iron Warrior en, avec en QG... Le Master of Possession, qui sera mon Seigneur de Guerre. Le Trait de Seigneur de Guerre, qui sera techno Demonis, qui va me permettre, dans un rayon de 6 pas, de faire 2 touches au lieu d'une sur des 6 pour toucher, non modifiable. Ensuite, on aura un Warpsmith, qui, euh, qui sera pour, là pour euh, redonner des PV euh, aux Machines Démons. On aura aussi un Lord Discordant, qui sera marqué corne, qui aura la relique Tal Talisman de Sang Ardent permettra de sprinter chargé et qui est armé d'un conflagrateur en troupe nous aurons trois fois dix cultistes en soutien nous aurons trois Obliterators marqués Slanesh et deux Defilers avec fléau de défiler, Battle Cannon et canon laser jumelé mon deuxième détachement sera un détachement fer de lance Iron Warrior qui sera composé d'un Dark Apostle qui sera accompagné en choix d'élite par ses deux dark disciples. On aura un sorcier du chaos euh, marqué La Neige, qui aura comme pouvoir la prescience et la force diabolique. Ensuite, nous aurons un defiler, fléau de defiler, battle cannon, canon laser jumelé. On aura une escouade de havoc avec quatre canons laser et pour finir, un Obliterator tout seul, Marquis Neige. Et pour terminer, nous aurons un détachement bataillon démon. Alors en premier, nous aurons un change-caster qui aura comme pouvoir psychique le regard du destin et les flammes vacillantes. Euh, en deuxième personnage, nous aurons un Skullmaster qui sera équipé de la relique, le, la couronne écarlate, qui, pour, qui a pour effet, dans un rayon de 6 pas, tous les démons de corne pourront refaire des jets de touche sur des jets de blessure de 6 non modifiables. Ensuite en troupe nous aurons 15 horreurs roses et deux fois 10 brimstone. Pour ce rapport de bataille au format ITC, je vais donc jouer une armée euh, Grey Knight, Chevalier Gris, euh, qui est composée de deux bataillons, donc qui va m'octroyer 13 points de commandement, et, euh, et qui va être constitué d'un premier bataillon avec Headquarter, le Chaplain, euh, équipé d'un Stormbolter, et en euh, sort... Il va posséder Façonnage du Warp, qui est un des nouveaux sorts sur euh, le Psychic Awakening, et qui va me permettre de changer la War et Warp. Ensuite, on va avoir le grand maître Voldus himself. Euh, lui, il va avoir en pouvoir psy l'Astral Aim qui va me permettre de tirer sans ligne de vue et en ignorant les couverts. Euh, le Hammer Hand qui va me permettre d'avoir plus un pour blesser au corps à corps. Et bien évidemment, le Sanctuary qui va me permettre d'avoir plus un sur ma sauvegarde invulnérable sur une unité. Ensuite, bah, ce bataillon est composé de trois choix de troupes. Ce sont des strike Squad, qui sont systématiquement équipés pareil, c'est-à-dire glaive, euh, double glaive Nemesis et Bolter Storm pour tout le monde. Euh, C'est des unités qui coûtent 90 points. Alors il faut savoir que l'unité blanche va avoir euh, le sort domination de l'Empiré, qui va me permettre de regagner un point de commandement. Euh, L'escouade verte va avoir domination de l'Empiré aussi, ce qui est important sur ce genre de... Sort c'est de l'avoir au moins deux fois dans sa liste puisque ça va me permettre de m'assurer de regagner des points de commandement même lorsque je perds l'unité qui possède le sort. Et ensuite la troisième escouade de strike qui est celle avec les marqueurs jaunes. Euh, Celle-ci va avoir cuirasse de résilience et ça va me permettre de soustraire un au jet de blessure d'une de mes unités. Euh, bien évidemment, ça va aller de pair avec la première escouade de 10 paladins. Les paladins euh, qui seront tous équipés pareil de double glaive et de bolter storm et euh, qui auront comme sort Portail d'infinité. Donc bah, ça, va, ça va me permettre de faire une téléportation euh, sur ma phase de psy. Et ensuite, dans le même bataillon, on va avoir une deuxième escouade de 8 paladins, euh, équipés pareil, de la même façon, avec glaive, double glaive et Storm On finit par un apothicaire qui aura euh, donc là c'est pas... Euh, c'est pas Full Full, full Wheezy, mais c'est euh, le sceptre de force Nemesis et euh, il aura en sort le façonnage du Warp euh, qui est euh, comme son camarade Chaplin, la, le fait de pouvoir remplacer une Marée Warp par une autre. Pour mon deuxième détachement, on va avoir un Brother Captain, vous m'excuserez parce que pour le coup la figurine n'est pas Wheezy Week du tout, c'est le Brother Captain Stern qui est joué en tant que figurine, mais ce n'est pas ce que je vais avoir sur ma liste. Donc je vais le jouer en Brother Captain classique avec un expurgateur et un sceptre de, un sceptre de force. Euh, et c'est mon seigneur de guerre, et en trait de seigneur, il va avoir First to the fray, premier dans la mêlée, ce qui va me permettre de relancer mes distances de charge. En psy, il va prendre Cuirasse de résilience, donc moins 1 pour blesser sur une unité amie. Et euh, il aura le sort Edit Imperator qui va me permettre de faire un mouvement et un tir sur ma phase de psy. Ça c'est plutôt cool. Ensuite, deuxième choix de QG, c'est mon Librarian qui va être équipé avec Sceptre de Force et, euh... et puis ben, un Bolter. Et en psy, il aura Hammerend et Sanctuaire. Je vais lui mettre la relique éclat Séraphique qui va lui permettre de relancer ses tests psychiques s'il le souhaite. Et dans tous les cas, ajouter un au psy. Donc ça, ça stabilise plutôt pas mal ses sorts. Ensuite, il y aura 3 strike squad En termes d'équipement, c'est la même chose que pour le détachement précédent. En revanche, en termes de sort, j'ai opté pour l'offensif sur ces trois strikes-là. Pour la orange, elle aura Vortex of Doom. Pour la rouge, elle aura Pure Soul. Et pour la bleue, elle aura Feu intérieur. Donc que des pouvoirs offensifs qui distribuent de la mortale à l'appel. On a fait le tour de mon armée. Juste, je n'ai pas précisé pour le chaplain, eh ben, il va avoir droit à ces deux litanies. Il connaît la litanie de la haine, il aura mot de puissance en plus, ce qui va permettre de relancer les dés de dégâts aléatoires. Euh, ben, ça tombe bien parce que toutes mes armes Nemesis font des dégâts aléatoires. Et je vais prendre récitation projection, qui va me permettre d'augmenter de 6 pouces la portée de mes armes à bolt, et donc de tirer avec mes bolteurs à 30 pouces, et ça c'est classe. Voilà, on a fait le tour. J'ai donc 13 points de commandement, 5 personnages, et 13 capés dans ma liste. Euh, on a fait le tour, et on passe à la suite. On vous a donc présenté les armées, on s'est présenté simultanément nos choix de traits de seigneur, de sort, etc., etc. Maintenant, on va chacun jeter un dé, ouais. et euh, celui qui va gagner ce G déterminera qui est l'attaquant et qui est le défenseur. C'est donc Nounours qui fait un 4, euh, contre moi qui fait un 3, c'est lui qui déterminera qui est l'attaquant et qui est le défenseur. Alors. Je serai attaquant. Ah, et... Attaquant, corne, attaquant. Et moi, je suis donc le défenseur, c'est donc lui qui obligatoirement commencera à se déployer et aura le premier tour, il n'y a plus de vol d'initiative, et c'est donc moi qui vais jeter un dé pour choisir la zone de déploiement et qui vais choisir mon côté de déploiement. Je vais donc déterminer avec un D6 mon ma carte de déploiement, en m'appliquant sur la carte standard. On est sur la page 216 et 217 du livre des règles, vous pouvez retrouver ça vous aussi. Allez, je jette mon dé, et c'est un 1, c'est donc un déploiement euh, type, euh, type, euh, de guerre, uh, type marteau et enclume en pointe, et ça me plaît pas mal. Et donc, vous savez quoi Je vais le garder. Il faut savoir qu'avec les nouvelles bêta et les scénarios ITC qui vous sont proposés tels quels, le joueur Peut relancer ce dé. Moi, ça me convient contre la liste de nos ours. Euh, en gros, je voulais pas de ça, euh, ni de ça. C'est ces deux déploiements-là dont je voulais pas. Je vais pouvoir le mettre, me mettre hors de portée de ces armes de tir. Et, euh, et je vais donc choisir cette zone de déploiement-là pour la simple et bonne raison que de ce côté-là, il y a deux cratères et de celui-là, il n'y en a qu'un seul. Et donc, je vais me garder ces cratères de mon côté. Et, euh, et on va de suite attaquer la phase d'objectifs secondaires. On va donc déterminer nos objectifs secondaires euh, simultanément. Comme expliqué dans la vidéo sur le format ITC, on doit choisir au moins un objectif dans la catégorie reconnaissance et destruction et au moins un objectif dans la catégorie manœuvre. Et le troisième est libre. Je te propose de dévoiler ton premier objectif choisi. Alors moi, mon premier objectif, il sera dans recherche et destruction et ce sera chasseur de tête qui consiste à tuer des personnages. Donc je prends un point par personnage tué. Et moi, de mon côté, j'ai aussi choisi chasseur de tête dans les objectifs de destruction. Et donc c'est la même chose. Ensuite, en deuxième objectif, euh, j'ai pris dans celui de manœuvre, j'ai pris euh, Tenir le terrain, qui consiste, euh, qui va me rapporter un point par objectif que je tiens en fin de partie. Dernière ronde de bataille, du coup Dernière ronde de bataille, ouais. tout à fait. Et euh, moi, pour mon objectif de manœuvre, j'ai choisi Reconnaissance. Je marquerai donc un point de victoire si j'ai une unité dans chaque quart de table. Mon troisième objectif, je l'ai pris dans Recherche et Destruction, et j'ai pris Casseur de Gang. Ah pour, euh, qui va me rapporter un point par tranche euh, de figurines tuées comportant 3 PV. Si toutes les deux figurines, euh, tous les 6 PV, en fait, tous les 6 PV les qui 6 sont PV, pris oui, sur une unité composée exclusivement de figurines à plus de 3 PV... Bah, tu prends un point, c'est-à-dire que bah, c'est les paladins, bien évidemment. On va tuer du paladin. Donc tous les deux paladins tués, il va marquer un point. On est toujours limité à 4 pour les objectifs secondaires. Moi, de mon côté, j'ai pris Bill the Butcher, Bill le Boucher. Et en gros, toutes les deux unités que je sèche, je mets un point de victoire. Voilà, on a fait le tour de nos objectifs secondaires. On vous a présenté le scénario. Tout a été fait. Et on passe de suite à l'étape suivante. Bon voilà, j'ai terminé mon déploiement, donc je vais vous expliquer un petit peu comment je vois le, je vois le début de partie. Donc euh, ici, euh, en gros, j'ai placé mes cultistes euh, et mes brimstones de manière à faire une répulsion, parce que même s'il si, euh, a possibilité de venir, euh, venir m'embêter au T1 grâce à ses sorts, donc voilà, je ne veux pas qu'ils viennent frapper derrière, euh, derrière moi. Ensuite, euh, bah, j'ai mis tout le monde devant, bah, les cultistes autour de mon pack de machines démons pour... Euh, pour essayer de limiter un peu ces smites, parce que bah, moi je vais beaucoup craindre ces euh, smites, qui vont me faire 4 PV, euh, 4 PV par 4 PV. Donc euh, en gros les, euh, les cultistes et les horreurs, ça va être de la chair à canon, pour protéger mes, mes défilers, et qu'ils puissent tirer, euh, tirer allègrement sans être embêtés. Ensuite euh, voilà les, les avocats en canon laser en haut d'une ruine, prêts à tout apporter euh, de tout pour pouvoir... Euh, tirer sur tout ce qui bouge, et on va essayer d'avancer pour prendre, euh, prendre le centre de table. Alors mes personnages ici, il y a le Lord Discordant qui est placé à 6 pas euh, de manière à donner un plus 1 à la touche à tous les, les Defilers. Pareil, tous les petits persos qui sont apportés portée des Defilers. En fait, euh, la, le, 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 la tactique va tourner autour des Defilers qui vont être boostés, etc. Euh, lui, il va pouvoir redonner des points de vie. Lui, il peut sacrifier des cultistes pour redonner des points de vie aux Defilers. Et voilà, je crains vraiment, en fait, je crains vraiment ces, ces Smite qui vont me faire vraiment très mal, donc euh, pareil, le but aussi va vraiment de lui enlever le maximum d'unités pour lui enlever le maximum de sources de Smite. En frappe en profondeur, j'ai une unité de 3 oblitérateurs et j'ai une autre unité de 1 un oblitérateur. Donc euh, mon déploiement est terminé, mais je laisse la main à Tourop, et puis euh, vivement qu'on se la mette. Donc, pour mon déploiement, j'ai décidé de la jouer cachée derrière ces jolis bloquants de la gamme Mycenary. Euh, il y a à peu près 1100 points de l'armée qui est sur table et à peu près 900 qui sont en FEP. Ce qui est en FEP, c'est ce que vous avez sur la bande noire derrière le tapis. Et pour le reste, eh bien, c'est caché. Derrière ce gros bloquant que vous avez juste là, euh, je vais avoir mon pack de 10 paladins et euh, deux escouades de strike. Et il euh, y a le grand maître Voldus himself, ainsi que mon brother captain qui sont présents. Et de l'autre côté, je vais avoir une Strike Squad de 5 euh, qui, qui est cachée. Et, euh, et, puis, euh, et voilà, on a fait le tour de mon déploiement. Donc un déploiement petit bras pour mon premier tour, mais c'est volontaire. Ok, donc pour pour moi pour cette première partie ITC et pour c'est aussi ma première partie sur le Codex GK, donc je vais un petit peu reprendre en main tout ça. La stratégie est plutôt, est plutôt simple, ça va être de mettre à profit le fait d'avoir une armée avec le keyword démon sur pas mal d'unités pour essayer de causer un maximum de dégâts sur le psy et sur le corps à corps. Il a un gros avantage sur la phase de tir, néanmoins euh, il a quand même l'inconvénient de ne pas avoir de tir sans ligne de vue et, euh, et une portée courte sur les obliterators. Donc je vais essayer de jouer là-dessus, il a pas mal d'unités à droite et à gauche, ce qui fait que je vais essayer aussi bah, de me graber de temps en temps quand j'en aurai l'occasion, euh, mais l'idée euh, c'est de faire du dégât et de voir où tout ça nous mène. Euh, J'ai fait le choix aussi d'opter pour euh, le fait qu'il ne peut pas choisir qui va commencer, de lui proposer un, un tour 1 quasiment à blanc, si ce n'est pour lui de s'avancer, de prendre des objectifs, parce qu'il pourra tirer sur rien et euh, donc ne pourra pas faire de kill points et, euh, et marquera peu de points sur son premier tour. Et, euh, et puis après, on va voir par la suite. C'est une première partie, c'est un dépucelage ITC, c'est un dépucelage euh, du codex du nouveau supplément GK pour moi. Donc, euh, donc, on va y aller, euh, on va y aller euh, sans prétention, au tour par tour, voir où tout ça nous mène. On vous a fait le tour de toutes les phases de pré-game, on vous a présenté le déploiement, les petits points tactiques aussi de ce qu'on a envie d'amener sur la partie. Euh, avant de débuter le, la première phase de mouvement pour, pour Nounours, euh, petit point sur les points de commandement. Moi de mon côté, bah, j'ai deux bataillons, j'ai 13 points de com', j'ai pas eu de reliques supplémentaires, j'ai pas de stratagème pré-game, donc j'attaque la partie avec 13 points de com'. Quant à vous, mon cher Guillaume Quant à moi, j'attaque la partie avec 14 points de, co de commandement. Oui. Et j'en ai dépensé un pour m'acheter une relique supplémentaire qui est la couronne écarlate sur mon Skullmaster qui va permettre de refaire des touches à chaque jet de blessure de 6 ⁇ Donc il faut savoir que cette relique, il euh, y a une, un oubli de présentation, mais elle est présentée à l'adversaire au moment de la présentation des... Je ne t'ai pas floué. Il ne m'a pas floué, c'est juste un petit oubli au niveau de la caméra. Donc tu commences la partie, avec 13.com. Tout à fait. 13-13, c'est parti, t'attaques donc ta phase de... Première phase de mouvement. C'est parti. Oh. Euh, je vais donc choisir ma marée et je vais choisir la marée des ombres qui va me permettre d'être à couvert tout le temps. Et si je suis à couvert, je gagne, euh, je mets moins 1 à la touche à mon adversaire. Et, euh, et donc voilà, ça fait plaisir. Ok, donc phase de mouvement. Euh, je ne vais pas faire grand chose sur ce tour, donc là je pense que je vais avancer et je vais prendre la table pour, euh, pour qu'il ait le moins de zones de, de faible possible. Ok donc fin de ma phase de mouvement. Donc comme je l'avais dit, bah, il ne va pas se passer grand chose. Donc je me suis contenté d'avancer avec tout mon pack. Donc je euh, ne bah, peux pas dire grand chose de plus. Et puis on va attendre, euh, on va attendre que ça que, qu commence à sortir de sa cachette. Donc là je pense qu'on peut sans transition passer à la phase de psy. Donc, ça va commencer avec mon change caster qui va lancer un regard du destin pour avoir une, un jet de relance gratuit. Donc, ça passe sur du 6. Si et 2, 8, ça passe. Donc, j'aurai le droit à une petite relance supplémentaire. C'est la petite relance que j'ai gardée au cas où je ferai un péril avec lui. Donc, lui, il va lancer le pouvoir Thermaudite qui va ah. permettre d'améliorer la vue de tous les démons à 6 pas autour de lui. De la bulle. Donc, ça passe sur du 7. 6 si et 4, 10, ça passe. Donc tous mes démons auront une envue améliorée à 4. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et j'ai terminé ma phase de psy, j'ai terminé ma phase de tir, j'ai terminé ma phase d'assaut. T'as un peu terminé ton tour. J'ai terminé mon tour. Alors à la fin de son tour, euh, comme les scénarios ITC le prévoient, il va donc scorer un point s'il a détruit une unité, ce qui n'est pas le cas. Et il va scorer un point s'il tient au moins un objectif, ce qui est le cas. Guillaume met donc un point sur son premier tour en prenant euh, lieu et place de, de la map. Et donc, on passe à mon tour C'est parti. Donc, tour euh, pour moi qui va être très court, puisqu'en fait, euh, bah, le but, c'est de ne pas faire grand-chose. J'ai pas grand-chose et j'ai pas de, de, de conditionnement et de positionnement qui me permettent d'être vraiment euh, très efficace. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger un tout petit peu, notamment pour me prémunir d'une arrivée en fait des, euh, des obliterators ici. Donc, je vais légèrement décaler euh, mon, mon GK qui est ici pour repousser là, l'obliger à, à venir par-delà les murs. Donc voilà, j'ai fait les mouvements pour lui. Après, euh, fin, de ma, fin de ma phase de mouvement, ça va être très simple. Je vais d'abord lancer avec les, la Strike Squad qui est cachée là-bas derrière, le sort qui va me permettre de regagner un point de commandement. Et ça passe sur du 7. Ça passe tout rond, il n'a pas de, de, de façon de dispel, donc je passe de 13 à 14 points de com'. Ça, ça fait plaisir. J'aime bien quand j'ai plus de points de com au, au début à la fin de mon tour qu'au début. Et ensuite, je vais passer avec le Brother Captain la cuirasse de résilience sur mon escouade de paladin pour lui passer le moins 1 pour bless s'il décidait de le cibler. Ça passe euh, sur du 6 et ça passe à 7. Donc c'est parfait. Mes deux sorts sont passés. J'ai rien de plus à lancer. Euh, si ce n'est que je vais quand même passer. Un Petit sanctuaire, ça mange pas de pain. Euh, un petit sanctuaire qui est sur Voldus euh, sur en personne et il va le jeter sur les paladins. Donc le sanctuaire ça passe sur du 6, ça passe aussi. Donc mes paladins auront plus un à l'invulnérable. Ils ont une invue de 5, ils passent à une invue à 4. Euh, et puis euh, on est déjà pas mal. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai fini. Pas de phase de tir, pas de phase de combat. Euh, tu avais peut-être une litanie à faire sur ma phase de combat, euh, oui, mais elle sera inutile. Je finis globalement mon tour 1 là-dessus, je vais mettre un point à la fin de mon round de bataille parce que je tiens un objectif, ce qui nous fait 1, -1 à 1 à la fin de nos rounds respectifs, à la fin de nos tours respectifs. En revanche, Nounours tient 3 objectifs et moins 1. Il marque donc un point supplémentaire puisqu'il tient plus d'objectifs que moi, ce qui nous amène un score de 2 pour Nounours et 1 pour moi à la fin du premier tour. Et je lui repasse la main pour son tour 2. Alors je vais entamer mon tour 2. Bon bah un tour 1 où il s'est pas passé grand chose. On va essayer de commencer à avoiner euh, pour ce tour là. Donc moi je vais continuer mon avancée pour prendre la table. Et euh, je pense qu'en termes de tir, il ne va pas se passer grand chose non plus sur cette phase. Je vais juste faire entrer mon oblique qui est tout seul ici pour aller chercher euh, les premiers, mes premiers points, essayer d'aller y taper sa, sa squad ici. Et voilà, ça va se résumer à ça. Alors, euh, début de ma phase de mouvement, je vais commencer par la prière de mon prêtre. Je vais lancer la prière Sombre Zélote qui va me permettre de, de relancer les jets de touche en phase de combat pour toutes les unités de ma légion qui sont à 6 Donc, euh, c'est sur du 3, mais grâce à ces petits messieurs, ce sera sur du 2. 6, c'est bon, ça passe, pas de problème. Ensuite, ma phase de mouvement, euh, j'ai terminé ma phase de mouvement. Donc, comme je l'avais dit avant. Bah, j'ai continué d'avancer pour prendre le centre de table. Et puis bah, je vais attendre que M. Tourop sorte de sa cachette. Et euh, ouais. donc j'ai bien, bien, bien fait en sorte de bloquer les zones de répulsion à l'arrière pour qu'il qu ait la possibilité de fêper sur les côtés ou devant. Et, euh, et voilà, donc j'ai bien mis mes petits persos pour, qu pour que les défileurs profitent des bulles éventuelles. Et donc, euh, je, vais commencer, je vais faire rentrer mes, fra mes frappes en profondeur. Et je vais faire rentrer un petit oblitérateur ici, histoire d'aller chercher une escouade de strike. Ploup. Compte là-dessus. Fin de la phase de mouvement. Alors, début de la phase de psy, je vais commencer par mon change caster qui va lancer le regard du destin. 6, ça passe pile poil, pas de problème, donc j'aurai le droit à une petite relance gratuite. Ensuite, je vais continuer à passer ma. Avec le Master of Possession, je vais passer ma bulle de plus 1 à la revue. Donc qui passe sur du 7. 6 et 4, 10, ça passe, pas de problème. Après, en termes de pouvoir psy, je ne vais pas m'amuser à lancer d'autres pouvoirs et psy et psy ri risquer des périls du warp. Donc ce sera tout pour ma phase de psy. Alors, début de ma phase de tir, bah, ça va être simple, ça va être l'oblitérateur qui va tirer sur l'escouade de strike. Alors d'abord je vais déterminer le profil de l'arme. Donc ce sera force. Force plus 3, donc ce sera force 9. Pénétration d'armure, moins 1. Euh, je vais utiliser mon petit dé de relance voilà, gratuit pour oui. relancer la PA. Ce sera moins 1, tant pis. Et en PV, ce sera 3, mais bon, ce sera pas très utile. Donc... Dis-moi à combien je touche. Alors, normalement, son obliterator a une CT de 3, sauf qu'on est sur ma marée euh, des ombres. Je suis entièrement dans un décor, du coup, je lui mets moins 1 pour être touché. Il me touchera sur du 4. Eh bien, c'est parti, ce sera sur du 4 plus. 4 plus Alors, c'est stat. C'est totalement stat. C'est stat. est blessé sur du 2 plus. force, Donc, force 9... 9, ce sera sur du 2 plus. Et je fais deux blessures à PA-1. PA-1, j'ai une save à 3, mais je suis dans un couvert, mais il les ignore. Donc ça me fait une save à 4. Deux save à 4 pour moi. Et ben ça me fait deux morts sur les squads euh, blanches. Une et deux. Est-ce que sans transition on peut passer à la phase de charge Oui, on peut passer à la phase de charge sans transition. Alors aucune. sans transition, je vais tenter une charge sur les squads de strike. Et ben je vais euh, T'Overwatch. Très bien. Il me charge et donc 12 tirs de contre-charge, je le touche sur du 6. Il euh, y en a 2 qui passent, je suis à force 4, il a 1 du 6, du coup je le blesse, le sur, du, en du 5. Je le blesse sur du 5. Bah, une petite sauvegarde à 2 plus pour lui. C'est sauvé. Et moi j'ai mesuré, je suis sur une charge à 10. Oui, puisqu'en enlevant mes pertes, je vais reculer un petit peu sa distance de charge, ça mange pas de pain. Quel fourbillon. Pilou oh, oh là là, il Sa charge réussie. Hop, 10. Bim, dans mon groin. Hop, je vais faire ma consolidation, je vais venir là. Alors mon obliterator, il a 3 attaques de base. Et comme il a chargé avec la règle de l'assaut haineux, ça lui fait 4 attaques. Qui touche sur du 3 plus. Plus. <laughs> Oh là là, tout touche. Full touche. Donc il a force 6. Donc ce sera PA, euh, du, 3 3 plus. Plus. du 3 plus. Oh là Cassé. là. Il... Ça touche. Il a une donc PA tu, de... as, tu as une PA de moins 1. Donc j'ai euh, 3 save à 4. Donc, ça fera un mort, supplémentaire. un mort supplémentaire. Je vais enlever ce petit gars-là. Moi, j'ai donc deux strikes qui vont pouvoir taper. Il faut savoir que mes strikes ont une attaque de base. Je leur ai mis les falchions, donc ils ont une attaque supplémentaire. Ils ont été chargés et ils ont l'assaut percutant. Euh, donc, ça fait six attaques. Je le touche sur du 3 plus. C'est full touche. Et par contre, euh, c'est il a que il keyboard démons, ce vilain monsieur. Oui. Donc, je vais pouvoir reroll mes blesses. Euh, J'ai de la force 4, il a de l'endu 5, donc sur je vais le laisser du 5, 5 relançable. Ok, la relance qui fait plaisir. Ouf, alors, CPA 2 et c'est D3 damage, monsieur. Donc ce sera sur du 4 plus 4 plus, monsieur, pour la sauvegarde. Oh. Oh. Eh ben il va prendre 3 D3, ah. le jeune homme, ah bah, attention. Mon avis, ça sent la force. Oh là là, c'est beau, je... ben voilà, ça t'apprendra. Il a été gourmand, il a il été Il a guidi. été séché. Séché, le brave. Je mets pas le premier sang puisqu'on est sur le round 2 mais bon pour moi il est dans mon cœur. Alors, il m'a tué 3 strikes dans ma petite squad, euh, ce qui fait que sur un 6 je perds, j'en perds un supplémentaire. Ce n'est pas le cas, donc je tiens en moral. Et on va scorer la fin de ton tour. Ouais. Je t'invite à, à partager ça avec notre public. Euh, donc euh, comme je contrôle au moins un objectif, je marque un point. Et de plus, euh, la règle spéciale du scénario dit que si à la fin... Du round on... tour de joueurs. Du tour de joueur on conteste ou on a quatre objectifs ou plus, on marque un point supplémentaire. Ce qui fait que tu marques 2 points. Ce qui fait que euh, fin, de, fin de mon tour, je marque 2 points. Alors là le plan pour mon deuxième tour, ça va être euh, objectivement de commencer à laver euh, sa phalange qui l'avance, qui lui permet de contrôler la map et de bien protéger ses, son noyau dur. Donc l'idée ça va être euh, de garder un petit peu mon contrôle de fond. Je vais bouger juste un petit peu les strikes là-bas pour pouvoir repousser et pas me prendre le pack d'oblit dans ma zone de déploiement. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger un petit peu là aussi pour le repousser éventuellement. Je vais essayer de passer euh, ensuite l'astral aim pour pouvoir faire tirer euh, mes paladins qui sont par 10 sans ligne de vue dans les unités qu'il a avancées ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire arriver à la fin de ma phase de mouvement euh, des types. Devant pour balancer des smites et commencer à distribuer des tirs un peu partout. Donc euh, voilà, j'attaque ma phase de mouvement. Donc j'ai fait mes petits mouvements. Ce que j'ai fait, j'ai fait arriver une première escouade de strike et une deuxième. Le point clé, c'est qu'en fait, je les ai fait arriver de façon à ce que j'ai au moins un gars, quand il va caster son sort, qui pourra balancer son smite sur les horreurs. Et les tirs, je pourrais les disperser ailleurs. J'ai fait la même chose avec les bleus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire arriver euh, mon Librarian. L'idée c'est de le faire arriver juste ici pour qu'il puisse balancer en fait l'Edit Imperator à 12 pouces de l'escouade rouge. L'idée c'est que comme ça je vais pouvoir faire bouger l'escouade rouge et la faire tirer, ce qui va me permettre à ce gars-là de se mettre sur cet objectif-là pour qu'à la fin de mon tour je contrôle trois objectifs et je l'empêche de marquer trop de points de... De... de scoring. Donc voilà pour ça. Et ensuite, je vais faire arriver euh, mon chaplain, chapi chapeau. Lui, c'est lui qui va me permettre de changer ma taille. Et, euh, et je vais le faire arriver ici. De toute façon, il sera bien safe. Allez, la phase de psy GK, c'est la phase la plus longue en fait de cette armée. Je vais d'abord, avec ma petite escouade de blanc qui est là-bas, je, euh, bah, je vais tenter de regagner un point de com. C'est sur, du... sur du 7. Et je, passe, je casse l'essor à plus 1 parce que je suis full GK. Donc je regagne un point de com. Je passe de 14 à 15 points de com. Ça, c'est bien. Ensuite, je vais passer avec mon Librarian que je vous ai fait arriver tout à l'heure. Je vais passer l'Edit Imperator sur les socles rouges. Euh, ça passe sur du 7, donc j'ai plus 1 et j'ai plus un autre 1 grâce à ma relique. Donc j'ai plus 2 pour caster. Donc euh, avec le plus 2, ça passe. Il faut savoir qu'avec cette relique, j'aurais pu éventuellement relancer le jet s'il ne me plaisait pas. Mais là, en l'occurrence, 5 et 2 7, le sort passe. Je vais donc pouvoir immédiatement faire un mouvement avec eux et tirer comme en phase de tir. Néanmoins, je ne pourrai pas retirer sur ma phase de tir et je ne pourrai pas charger mon adversaire non plus. Ok, donc je vais faire tirer mon escouade de strike au Bolterstorm. Je suis à courte portée, c'est donc 4 tirs par gars. Ça touche sur du 3+. Plus. Sur du 3 plus. On enlève les échecs. Et il n'y en a pas des masses, c'est propre. Et maintenant, je vais le blesser à la force 4 sur l'enduit 3. Je vais le blesser sur du 3+. Plus. Et derrière, il aura son invue à 4. Je vais lui laisser prendre mes dés pour ça. Et voilà, hop, ces petites invues qui ne mangent pas de pain. Invue à 4+. Plus. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. 5, 6, eh ben. 6 horreurs qui sautent. Euh... On enchaîne. Donc là, je vais, je vais profiter d'une petite erreur de micro-gestion de sa part. C'est qu'il aurait plutôt dû enlever des horreurs ici pour m'obliger en fait à smite là-dedans. Ah oui. Donc c'est pas ce qu'il a fait. Du coup, je vais pouvoir de suite déclencher mon smite avec les bleus. Et je vais canaliser avec ce gars-là. Et du coup, c'est lui la figurine la plus proche. C'est un smite euh, à, à 5. Je le caste à plus 1 donc ça passe à 7 et comme je suis en comme je suis en taille et non, je suis un gros gland parce que j'ai pas passé ma taille de mon changement de donc taille. 3 Donc c'est c'est 3. Donc c'est une erreur, j'ai fait une erreur, il fait une erreur. Donc il, il a pris 3 mortales au lieu de 4. Donc je vais Immédiatement corriger cette erreur et avec l'aide de mon chapelain, je vais jeter le façonnage du warp. Ça passe sur du 5 et ça passe tout nickel. Donc, du coup, mes smites feront plus un damage. Et maintenant, je vais jeter un smite supplémentaire avec mes rouges. C'est lui qui va canaliser. Ça partira donc dans les horreurs et euh, c'est euh, toujours sur du 5. Et bien, alors, euh, ça fait 4, 4 horreurs de mort supplémentaires. Je vais utiliser euh, mes paloufs, mes paladins, pour faire un sanctuaire, un, pas un sanctuaire, pardon, un portail sur mon escouade de Strike jaune qui est ici. Euh, le sanctuaire passe sur du 6, j'ai donc plus 1, bah, 5 plus 1, 6. Donc je vais pouvoir faire TP mes Strike jaunes. Je viens de replacer mes, ma Strike jaune ici, donc lui va canaliser et va jeter son Smite sur les horreurs. Bah, ça passe à 10 plus 1, donc il reprend quatre mortels, et il, je tue son unité d'horreur. Oh là là. Alors je vais... moi je vais utiliser deux PC pour utiliser le stratagème incursion démoniaque. C'est-à-dire que dès qu'il me détruit, dès qu'une unité Grey Knight me, dé... euh... me détruit une unité de démon, je peux la faire revenir à, à la fin de ma phase de mouvement euh... suivante à plus de 9 pas d'une unité ennemie. Sympathique. Le Librarian va passer euh, la cuirasse sur les paloufs, ce qui va me permettre euh, bah, de caler moins 1 pour blesser, notamment avec l'arrivée de ces dangereux. Euh... De ces dangereux oblitérateurs, donc ça passe. Les, les, les paladins auront moins un pour être blessé. Je vais envoyer avec Voldus le sanctuaire euh, sur les paladins aussi. Eh bien, ça ne passe pas. Et euh, ça ne passe pas. Et puis, euh, Et puis je vais utiliser un point de com', mon premier. Donc, j'ai 15 points de com', je passe à 14. Et du coup, ça passe. Donc, mes, mes, mes paloufs auront une invue à 4. Plus. Euh, je vais passer. Je vais envoyer euh... j'ai fait déjà bien le tour, j'ai envoyé mon sanctuaire, j'ai envoyé et je vais passer bien évidemment mon Astral Aim. Euh, je vais l'envoyer avec le avec le Brother Captain, ce qui va me permettre de tirer sans ligne de vue avec mes paladins. Donc l'Astral Aim. Euh, L'Astral Aim passe à 6, 4, plus... Enfin j'ai fait 5, plus 1, 6. Euh, du coup, je pourrais tirer sans ligne de vue. Ça, ça fait plaisir. Et du coup, je pense avoir fini ma phase de psy et je vais attaquer ma phase de tir. Je vais activer mon escouade de 10 paladins. Je vais euh, tirer sans ligne de vue. J'ai une portée de 24. Donc ces deux unités-là sont éligibles. Je vais envoyer 20 tirs là-dedans. Et 20 tirs là-dedans. Je touche à 3. J'ai mon Browser Captain qui est là. Donc j'ai mon Voldus qui est là. Pardon, excusez-moi. Donc je vais pouvoir reroll les as. Je vais donc envoyer 20 tirs à 3. Reroll les as sur nos amis les cultos. Et alors, il y a des as, ma foi. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Euh, tu me dis hein, Guillaume si tu vois des. Bah ouais ouais c'est okay. bon. Je... Et je le blesse maintenant à 3 plus. La fameuse 3 plus pour blesse. Et il va avoir de la save à 6, le coquinou. Eh ben vas-y. Euh, save à 6, ouais. Save à 6. Donc j'en sauve 1, j'en sauve 2. Donc ça fait 2, 4, 6, 8 morts. 8 morts 8 muertos Je suis un stratagème. <laughs> Je vais donc envoyer les 20 tirs suivants dans cette escouade là. C'est parti, on est sur du 3 plus relance des as. Ça c'est des fails. Ça c'est du fail. Ça c'était un as. Ok, et on est sur du re 3 plus. Et là, il a de l'un vue à 6 parce que c'était une ville petite horreur. Eh ben, il n'est pas très beau ce jeu dis donc. Zin vu à 6, j'en euh... sauve une, donc ça fait 3, si 4, non, 4 ça fait 6. Non, euh... non, 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 non. 4 et 6. Ok, donc l'escouade avec les marqueurs rouges, elle elle ne peut pas tirer puisqu'elle a déjà fait euh, l'édict Imperator, donc elle est bien là où elle est. En revanche, l'escouade jaune va tirer sur euh, cette escouade-là, et euh, l'escouade bleue va tirer sur cette escouade-là. On va commencer par faire les bleus, euh, j'ai 20 tirs, puisque je suis à courte, et on est sur du 3+, 3+, j'ai aucune relance d'aucune sorte. Ça c'est les touches, et maintenant les blesses, sur du 3, c'est pas super super beau. Et bah ça fait 5 petites sauvegardes à, à 6 pour nos amis les cultos. Bah ça donc fait 4, 4, 4 morts cette unité. C'était cette escouade là, ouais. euh... Et donc les jaunes vont tirer sur cette escouade là. Là pour le coup je suis pas à courte. Donc j'ai que 10 tirs. Euh, j'ai que... Oui, que 10 tirs. Ce qui nous fait du 3 ⁇ plus oui, il y a de l'échec. Euh, oui oh, oh, il y a beaucoup. Ouais, qui ouais. Oui, oui, oui qui passent. Oh, 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 Et euh, je blesse à 3 ⁇ Ah ouais, voilà, full blesse, ah, c'est pas mal. <laughs> c'est pas mal. Il m'en sauvegardé un petit, le coquin. Lui, il a quand même une petite ligne de vue sur cette escouade euh... On va tirer sur l'escouade qui tient l'objectif d'ailleurs, qui s'arrête ici, ici, on est d'accord Oui, oh, ouais, c'est bon. Donc c'est celui-là. Ouais, donc lui va balancer ses deux tirs dans l'escouade qui tient l'objectif. Ça touche et ça blesse. Attention, le suspense est à son apogée. Et ben deux morts de plus. Et euh, écoute j'ai envie de te dire, on est pas mal, je pense que j'ai fini ma phase de tir. Donc là, test de morale, donc je vais commencer par cette unité. Il y en a perdu 4. 4 et 2, 6, ça passe. Ça passe. Ensuite, celle-ci qui en a perdu 4. Euh, 4. 4 et 1, 5, ça, ça passe. passe. Ensuite, je vais dépenser 2 points de commandement pour réussir auto le test ici. Et garder mon objectif. Et donc là, j'en ai perdu 6. 6 et 5, 11. Hop. Elle saute, elle saute. Niveau scoring de fin de tour, j'ai marqué un point parce que j'ai tué une unité ennemie. J'ai marqué un point parce que je tiens un objectif, donc je mets deux points à la fin de mon round de bataille. Ensuite, à la, fin, à la fin, de mon tour de joueur, pardon, à la fin du round de bataille, on tient trois objectifs chacun, donc on va pas mettre deux points pour celui qui a tenu le plus d'objectifs. Par contre, moi, j'ai tué plus d'unités que lui, donc du coup, je mets trois points. Au niveau euh, de mes objectifs secondaires, j'ai tué une unité de Brimstone et j'ai tué une unité d'Horreur, ce qui fait que j'ai tué deux unités, je mets donc un point sur Bill le Boucher, je mets donc un point sur mon objectif secondaire. Ce qui fait qu'au final je mets 4 points sur mon tour et Nounours euh, et euh, et de son côté mais met pas de points supplémentaires puisqu'il n'a pas tué plus d'unités que moi et ne tient pas plus d'objectifs que moi. Alors début de mon tour 3, il me, il me reste 9 points de commandement. Alors ce que je vais faire pendant ce tour c'est que bah, je vais avancer avec mes défilers, puis je vais commencer à aller euh, au corps à corps. Je vais essayer de passer les boosts, et puis euh, l'intérêt, ça, euh, ça va être de détruire les quatre unités de, de strike euh, qui sont là. Il me reste mes 3 oblitérateurs et mon unité d'horreur à, à faire rentrer. Donc euh, les oblitérateurs, je pense que je vais assurer le coup et euh, les mettre euh, là de manière à ce qu'ils qu tirent sur les strikes. Euh, après les horreurs, euh, je... Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre, les mettre là pour assurer une charge ou prendre un objectif. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est trop risqué de les faire euh, arriver dans ce coin-là. Parce qu'avec tous ces buffs et tout, je suis sûr, de, je suis presque certain de ne pas pouvoir plier les squads de paladin. Et euh, ce qui est sûr après, c'est que derrière, euh, je perds mes oblites. Alors, petite précision, je vais utiliser la prière de mon Dark Apostle. Je vais donner plus 1 à la touche sur les armes de tir à mon Defiler. Donc c'est sur un 2+. Réussi, c'est bon. Donc, mon défiler aura plus 1 pour tirer avec ses armes de tir. Et début de son round de bataille, je vais donc aussi euh, activer mon chaplain qui va passer la litanie pour euh, rajouter 6 de portée au Bolter de mes paladins. Et ça passe sur du 3. Bon, mais voilà. Et Alors, vous savez quoi C'est ma toute première litanie de toute ma life parce que c'est la première fois que je joue de ma vie un chaplain. Et je suis très content et très heureux de réussir ma première litanie. C'est un grand signe pour, euh, pour moi et pour l'histoire de Convert TV. Et on peut continuer. Alors, fin de ma phase de mouvement. Donc, j'ai avancé mes, mes défilers de manière à ce que celui-là puisse charger. Là, ça va être compliqué. Ça va être une charge à 12. Donc, euh, on va essayer de, de, tirer, de tirer fort avec cela. Donc, voilà, j'ai avancé, avancé un peu tout mon pack. On va commencer à charger un peu. Je vais faire rentrer mes obliterators dans la ruine ici. Pour pouvoir tirer et faire un double tir. Pour vraiment être sûr de. De casser les 4 escouades de strike. Et mes petites horreurs, je vais les faire arriver là pour aller l'embêter et lui faire gaspiller quelques ressources. Euh, quelques ressources euh, de psy, de tir, etc. qui pourront pas envoyer sur, euh, sur mes machines. finement joué. Je vais passer à ma phase de psy. Donc lui, comme d'habitude, il va faire son regard du destin pour avoir une petite relance, une petite relance gratuite. Ça passe. Pas de problème. Yes. Euh, le, sorcier. le sorcier va faire une préscience sur lui. Sur le gros Sur le gros. Allez. Euh, ça passe à 7. 5, 6, 7. Bah moi je vais ça te, te l'abjurer avec Tu mes... as une abjure. Ah bah avec mes strikes qui sont bien évidemment à 24 pas ici. Bien sûr. Et euh, tu as fait 7. Donc il me faut 7 puisque moi j'abjure aussi à plus 1. Et ben bah, non. Non C'est pas abjuré. Donc il aura plus 1 à ses de touche. C'est fort. Ensuite, il a un deuxième pouvoir, mais qui va pas. Ici, ici il va faire Force Diabolique, toujours sur le gros. Diabolique Strength Diabolique Strength. Euh, 4 et 1, 5, ça ne passe pas. Bah, ça ne passe pas, tant pis. Ensuite, lui, il va toujours donner sa bulle d'invulnérable à 4, qui ne passe pas. Euh, il va pas lancer d'autres pouvoirs. Euh, et. Les horreurs vont lancer un, pouvoir, un châtiment à un dé. Ma foi. Qui passe. À 6. À 6. Eh ben écoute, je vais tenter de te l'abjurer avec mon Libra... Euh, pas avec mon Libra d'ailleurs, non. Je vais tenter de te l'abjurer avec... Euh, avec J'ai personne qui abjure à, avec un bonus particulier. Donc, euh, je vais tenter de te l'abjurer avec mes strikes vertes. Euh, bah, c'est abjurer. C'est abjurer. À abjurer. Je comptais beaucoup sur ce pouvoir. Je comprends, je comprends. <laughs> Et c'est la fin de ma phase de psy. Donc je vais commencer ma phase de tir. Donc je vais faire tirer les horreurs dans, le, dans la strike qui est en face. Donc ça va faire 30 tirs. Ça fait plaisir. Alors, ça, Ce, combien, ces petits ce sera du 4 plus. Oh, c'est merveilleux. Donc ça fait 4. Je 5, te propose 5, de faire les blesses de suite. Si après on laisse' la Donc c'est sur du force 3. Donc c'est sur du 5. Donc ça fera déjà 2 deux deux blessures. blessures. Deuxième salve. 4 plus. 4 plus. Et du donc 5. ça fait non, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sauvegardes sans PA. Euh, alors est-ce que, mais je les vois pas d'ici, combien sont dans le couvert et combien n'y sont pas T'en as un qui n'est pas dans le couvert, je crois, si je dis pas de bêtises. Oh, à mon avis, il y en a plus. Ouais si il y en a qu'un qui n'est pas dans le couvert. Donc euh, le premier, c'est de la Save va 3 tant qu'il n'est pas mort. Donc il n'est pas mort. Save va 3 il n'est pas mort. Il est pas mort. Il n'est pas, pas mort. Il est toujours pas mort. C'est un vrai tank. Il est mort et donc c'est de la save du coup à 2 plus de couvert. Okay. Maintenant tu es. Bah, donc tu es lui hein, qui n'était pas à couvert. Lui va tirer euh, ses canons laser jumelés dans cette unité-là. Et il va tirer ses autocanons, son battle cannon dans cette unité. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse les jets hors champ et on se retrouve une fois qu'il aura fini de tirer. Il a donc tué au canon laser une strike ici. Et à l'obusier 3 ici. On peut passer au suivant. Ok, bah donc on va faire le petit monsieur ici qui va tirer sur les squats bleus, Donc il va tout mettre dessus. La totale La totale. Et eh bien on se retrouve une fois que la poussière est retombée. <laughs> donc les canons laser n'ont rien fait. Et l'obusier n'a rien fait au-dessus aussi. Puisqu'en fait euh, le problème étant qu'il a bougé, donc il a une, une CT à 5, plus, et euh, bon grâce à, au Lord Disco il passe à 4. Mais euh, mauvais G. Je pense, Alors, magnifique G. Le suivant Alors lui, bah il va faire la même. Il il sur les va bleus faire toujours. La même. Sur les bleus toujours. Hop Canon laser jumelé, une touche, à 2+, une blessure. Ça y va, 6, à mort. Et le battle Cannon qui fera 5 tirs, à 4+, je ne suis pas dans l'aura de mon patron, du 2+, donc 3 sauvegardes à moins 2, 3 sauvegardes à 5, Et 3 ben, morts de plus chez les bleus, une, et là. Ensuite, on va faire ben, les 10 petits tirs de cultistes. Pour essayer de finir le dernier, euh, le dernier, bleu. Les cultistes viennent de tirer. Il y en avait quatre à courte portée, et deux à longue. Ça lui a fait dix tirs. Il a fait Podzob. <laughs> Ensuite, euh, bah on va faire les oblites. Hein. Ah, on, veut savoir, euh, on les va savoir. On va faire les oblites. Ils vont tirer dans les rouges, bien évidemment. <rire> <rire> Donc déjà, euh, on, va faire le, on va faire le, profil. Et après tu détermines. Et après tu on tu détermine. détermine les cibles, Allez, tout à fait. Le profil. Euh... le profil. Le profil. Le profil. Alors ouais. force, force. Corn force force non, 7. T'as toujours ta. J'ai toujours ma petite blesse. Ouais, euh... bah, je vais l'utiliser d'ailleurs. Je vais l'utiliser. Tu vas en faire un as. Voilà. Ah ah, ok. Déjà. Donc ça fera Force 7. Force 7. PA. PA-3. Où ça, ça pique. Et PV, on s'en fiche un peu. Oui, 3 PV. Y'a pas de fin de taille, y'a rien. Donc Donc je vais tirer dans les squads jaunes. Ok, les jaunes, ils sont full. Donc ça leur 3, fait 18 tirs dans la mouille. 6, 7, 8, 9, on est d'accord. 10, 3. Et je dépense un PC pour 3. mettre vétéran de longueur. Pour blesser à plus 1. Pour donc blesser ce qui à fait plus que un. Tu blesseras donc à 2 plus. C'est ça. Tu m'as mis 18 là Ouais, je t'ai mis 18. Parfait. Je compte pas. Tu confiance. À... Je touche à 3. C'est bon, t'as encore un là-bas. Donc on est sur du 3 plus, mais avec le vétéran de la longue guerre, ça fait du 2. De plus, yes donc ça fait tout ça à PA-3. Donc ça y va 6 pour moi, euh, je pense qu'ils vont mourir. Ouais, ils sont morts. Ça c'était les jaunes. Blah, ils ont pris une rafale dans les gencives. Je vais faire tirer mes 4 canons laser dans le petit mac en bleu qui reste. C'est sur, sur, sur du 3+. Ah. 3 touches. Ah, sur du 2. Sur du 2. Et 3 blessures. Oh, le triple 6, vous l'attendez. Oh, oh là là <laughs> Il est en vie mon gars, triple 6 C'est ça qu'on veut voir mais que... il est en vie, il est en C'est un, un véritable troll. Ok, bon. Alors, euh, je vais passer. Du coup, je n'ai pas le choix. Je vais retirer avec mes oblitérateurs. Je vais dépenser deux, deux points de commandement pour faire une, refaire une phase de tir. Ce qui baissera moi, mes points de commandement à 6. Donc, le profil. Force 7. 7. PA-2. Deux dommages. Ça fera 18 tirs. Je suis toujours sous la en Guerre quand même. Ça, ça fait plaisir. Je tire ah, oui. sur le bleu qui reste. Ah, bah, Et tout bien. sur le bleu Bah, j'ai pas d'autres cibles. Bah, enfin, t'as les rouges. Ouais, mais. T'as bien envie de les charquer. Il, il faut absolument que je les envoie. Je rigole si tu rates ta charge. Je me moque de toi. <laughs> c'est beau. Hop, du 2. Vous avez tout ça de sauvegarde. Là, c'est moins 2 donc A5. Save va, 5. Ton... Quand même. Quand même. Le G est beau mais bon. C'est pas suffisant. Quand même. Non, c'est pas ça. C'est le bleu. Oui, pardon, le bleu. Ah oui, oui, c'est Le bleu. Est-ce que sans transition, on passe pas à la phase de charge Ça me vraiment pas mal. Ok, donc le gros pépère, il va charger. Les rouges. Les deux petits rouges. Attends, attends, mon gars, je vais t'envoyer une espèce de rafale de contre-charge, un truc du grand jamais vu. J'ai huit tirs. Je te touche sur du 6, ou il y en a une, je te blesse sur du. Ça rate. Voilà. Charge. Attention, double as 4. ça suffira. Ça suffira. Ça suffira. Alors. Fais-nous rêver. Rappelle-nous les stats de cette grosse machine. Alors, le le. le, le défiler. Le Defiler, quand il est équipé d'un fléau de défiler, ça lui fait trois attaques supplémentaires, ce qui porte son total d'attaques à 7. Comme il a chargé, il a une attaque supplémentaire, grâce à la règle assaut haineux. Oui. Ou assaut brutal, je sais plus il il comment. Il est brutal aussi. Il est brutal il et, l l est, et il est vachement haineux quand même. <laughs> il est vachement haineux. haineux. Donc ça va nous faire 8 attaques. Il touche oui. sur du 4 plus. plus. J'ai passé la pression, ce sera sur du 3 plus. Attention mesdames et messieurs. C'est parti. Ou c'est une full touche Alors j'ai un 6 ah, ce qui fait, fait que je peux terre. relancer, je peux popper une autre, push, une autre, autre touche. Cool. Donc là on est à force 12. Donc c'est du 2. C'est du 2. Si je ne m'amuse. Et rappelle-nous ta PA. PA-2. Ah, j'ai quand même des save à 5. Tu as quand même des save à 5. Le monde veut voir si j'ai qu'un survivant, hein. Tu le sais ou pas <laughs> ouais, Pourtant, j'ai tout arrête, monde arrête, là. arrête, arrête. Ah, ils sont morts Tu peux faire euh, ton piline si tu le souhaites. Euh, Consolidation. C'est vers la plus proche, donc c'est laquelle Ouais, euh, je pense que c'est par la main, là. Ouais. Euh, je vais juste faire une rotation. Comme ah, ça. Ce genre de pivot. Voilà. Pour la Histoire beauté du face. Pour la beauté du geste. Face à l'ennemi. Face à l'ennemi. Face à la menace. Voilà, bon, ça va, il était bien haineux. <laughs> donc ça nettoie. J'ai juste fait le con là sur ça, putain. Ça ressemble à une fin de tour. Ça ressemble, et à... c'est là, la... je déclare la fin de mon tour. Tu as donc, tu tiens un objectif, quand tu as 4 en vrai, c'est ce que tu mets un point pour les objectifs primaires, tu mets un point Parce pour l'objectif. bonus, se... dans... j'ai quatre. objets, et tu as détruit une unité, tu mets donc 3 points sur ce tour là. Et on verra ce que ça donne à la fin de mon tour pour la suite des objectifs primaires. Tout à fait. Et on passe immédiatement à mon tour 3 les ennemis. Ok, début de mon tour 3. Donc, globalement, ce que je vais vouloir faire, c'est euh, pas me surexposer sur mon tour 3. C'est-à-dire avoir la tendance à dire Ok, j'y vais la all-in. Et, euh, et sur, un, sur du craquage, je me retrouver à perdre complètement la partie. Donc, je vais y aller progressivement. Ce que je vais faire, c'est que mon unité de paladin qui est euh, dans son blocos va sortir. Ils auront une petite charge sur eux. Et, euh, et du coup, ça va me permettre éventuellement de venir contacter lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais les avancer je vais les buffer au psy. Je vais faire arriver mon autre escouade de paladins à leur place pour qu'ils soient bien propres et bien cachés. Ça va me permettre de pas exposer mes personnages et venir grapper euh, bah, le terrain un maximum. L'idée étant tant pis de sacrifier mon dernier strike là-bas pour tenir l'objectif là et de recontrôler trois objectifs contre trois de son côté, ce qui fait qu'il ne mettra pas de points supplémentaires. Euh, et puis euh, et puis on va voir où tout ça nous mène. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ok, alors ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai fait avancer mes paladins. Donc ils avancent malheureusement que de 5 pouces. Donc ils peuvent sortir. De pas grand chose de la ruine. Néanmoins, ça va me permettre d'avoir une charge assez courte ici. De quand même déclarer le gros ici en charge. Et, euh, et d'avoir ma relance des charges. Parce que mon seigneur de guerre est là-bas au fond. C'est mon brozole captain. Et c'est lui qui file la reroll des charges. J'ai avancé mes deux personnages là qui vont pouvoir aussi envoyer des smites dans sa grosse mouille. Et puis euh, pour le reste. Euh, mon petit strike qui va mourir, mais au moins il va mourir en tenant un objectif, il est là. Et euh, il pourra balancer ses 4 tirs dans les cultos qui sont là-bas. Eux n'ont pas bougé. Et puis je vais maintenant faire arriver mon, ma, dernière strike, ma dernière escouade de strike orange, et euh, mon escouade de 8 paladins, et mon apothicaire. J'ai donc fait arriver mes dernières frappes en profondeur, j'ai fait arriver mon escouade de strike avec les petits marqueurs orange, euh, de façon à pouvoir balancer un smite là-dedans et tirer sur bah, E, euh, ça, ça va me permettre d'enlever de, un objectif euh, à mon adversaire. Ensuite, j'ai fait arriver euh, mon apothicaire qui est là. Vous m'excuserez, il n'est pas wheezy, mais euh, bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Et donc, euh, c'est lui l'apothicaire. Et ensuite, bah, j'ai fait arriver ma dernière escouade de paladins qui a pris en fait la place de la première. Euh, voilà, ça va me permettre d'envoyer les vagues successives et de temporiser correctement face à mon adversaire. Je vais immédiatement passer à ma phase psy. On est à moto 3, j'ai 14 points de com, c'est assez exceptionnel venant d'un joueur uh, leur culte, Et je vais essayer d'aller rechercher mon 15 ecom point de com avec mon petit strike blanc. Et il va essayer de, de ripop du point de com. Euh, c'est sur du 7, j'ai plus 1, 5 et 1, 6, donc ça ne passe pas, je resterai à 14 points de com. Je vais utiliser mes paladins qui viennent d'arriver pour jeter un sanctuaire sur l'escouade verte. J'ai envie de la faire bouger d'ici. Euh, le sanctuaire passe sur du 6, j'ai plus 1 car je suis JK, ça passe à 8. Je vais donc faire bouger cette escouade qui a perdu qu'un gars, et je vais aller la mettre là-bas à la place des blancs qui vont bientôt mourir. Donc euh, erreur de, de diction de ma part, hein. ce n'était pas un sanctuaire, c'était un, un portail, une Gate of Infinity que je fais sur eux, bien évidemment, pour les transporter, le sanctuaire étant le plus un à la vue. Euh, bah, ce que je vais faire, d'ailleurs, je vais balancer le sanctuaire, et je vais le jeter avec Voldus, et je vais le jeter sur mes paladins. Euh, ça passe, impeccable, et il est hors portée de dispel, donc mes paladins ont plus à la vue, il passe donc à la vue à 4. Ensuite, je vais jeter euh, avec le Librarian qui casse à plus 2. Je vais jeter le mm, moins 1 pour les blessés. Le, la cuirasse. Ah, ça passe sur un gros péril. Euh, ben, je vais prendre un gros péril dans ma mouille, tant pis. Donc, euh, D3 pour moi. Eh ben, il prend 3 PV, euh, mon petit Librarian. Ça lui pique un peu les yeux. Euh, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Donc, ils auront moins 1 pour être blessés. Euh, ce que je vais faire, je vais balancer Hammer End avec euh, Voldus. Donc je vais jeter Hammerhand avec Voldus qui va me permettre de blesser à plus 1 euh, avec les, les paladins. Ça passe, donc les paladins blesseront à plus 1. Euh, bah, toujours avec Voldus qui a 3 sorts, donc je pourrais passer un smite après. Je vais passer Astral Aim qui va me permettre de tirer sans ligne de vue avec les, les paladins qui sont là. Euh, ça passe, c'est parfait, ça passe à 6 et de toute façon jusqu'à plus 1. Donc Voldus a passé 3 sorts, je vais immédiatement jeter son smite. Son smite il va partir dans le gros. Euh, c'est donc un smite à 5, 5 plus 1. Bon, mais c'est parfait, il ne peut en pas 4. le dispel. Je suis toujours sur ma marée. Sur euh, la marée montante, la marée chaussée, euh, la marée qui fait plaisir. <laughs> Donc il prend 4 PV dans son gros, il passe à 10 Il passe à 10 Donc vo euh, Voldus a jeté ses trois sorts. Euh, je vais ensuite jeter un smite avec mes paladins. Donc mes paladins qui sont ici, je vais caster, euh, je vais caster avec, euh, avec lui. Donc je peux même caster avec lui en vérité, parce que j'ai pas de ligne de vue sur les horreurs. Donc je vais caster là-dessus. Et en plus d'ailleurs, si je caste avec lui, je pense que je suis hors portée de dispel. Euh, il est là, Tom psyker. Oui, c'est bon. Alors là, tu y es à l'aise. là. là tu... Ouais, donc voilà, c'est parfait. C'est bon. Donc en fait, en castant, si je caste avec lui, je suis hors portée de dispel. Je ne vois pas les horreurs. C'est donc le gros qui prendra le smite. C'est un smite à 5. Ça passe aussi. Il reprend 4 PV. Pour oui. l'instant, je lui ai mis deux smites dans la mouche, dans la mouille. Euh, le chaplain va balancer à son tour un petit smite, toujours dans sa mouille. 4 et 1, 5, donc ça passe aussi. Il n'y a pas de dispel. Ah, si tu peux dispel avec les horreurs, peut-être. Ah oui, c'est pas bête. T'as un dé, Il lui faut donc, <laughs> Il lui faut un 6. Puisque moi, je fais 4 plus un 5. Allez. Il lui faut un, 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 un bon gros 6 pour. Oh, oh C'est beau Oh Oh là là Oh Ah Ah C'est propre Oh aïe, aïe, aïe. Oh là là, il mourra pas Il ne mourra pas Il ne mourra pas au psy euh, Alors. Ah je peux, avec mon apothicaire, soit changer la marée. Soit jeter un smite. Alors changer la marée concrètement, passer sur la marée des ombres, qui va me permettre de gagner du couvert. C'est pas forcément intéressant parce que eux ignorent les couverts. Euh, donc euh, ça peut éventuellement euh, réduire la PA en fait, mais euh, pff, concrètement c'est pas ouf. Je peux passer en marée euh, de corps à corps pour, euh, pour avoir une petite relance sur les as pour blesser. Mais de toute façon, comme je tape du Fais démon, un relancé naturel. Donc je vais rester en marée tide et je vais jeter un smite. Donc c'est parti, un petit smite supplémentaire. Bah, il reprend 4 PV. Ça fait plaisir. Il a plus que 4. Il n'a plus que 4. Et ensuite, bah, le, le Librahan, il, euh, il lui reste un sort, parce qu'il en a casté un. Il a fait un gros péril. Il va quand même envoyer un smite dans les... Et eh bien, je vais pas envoyer de smite en vérité. Parce que je vais essayer, dans la mesure du possible, de me graber aux horreurs. Euh, donc, c'est pas, pas déconnant de la jouer comme ça. Donc, je vais pas smiter. Je vais essayer de faire le minimum de dégâts sur les horreurs. Là, je vais balancer un smite à 4 mortales sur les horreurs. Ça passe à 6 et un 7. Je vais tenter de le dispel. Allez, il lui faut 8. Et eh ben c'est dispel. Là-bas, le petit blanc. Et eh ben c'est la même chose. Il va tenter de dispel. Il va uh, smite à 2 mortales dans les cultos. Ok. Donc là, on va permettre à mon adversaire de ne pas faire de trop de conneries. Il va plutôt enlever cela, comme ça il va me rallonger ma portée et je pourrai tirer à longue Et il s'économisera donc deux tirs de Stormbolt. Qu'en pensez-vous oh, Ah oui, carrément. Ah bah oui, on va faire plutôt ça. Euh, et j'ai fini ma phase de psy pour de vrai cette fois-ci, et on va passer de suite à ma phase de tir. Phase de tir, je vais commencer par ce qui n'a pas de, de raison d'être conditionné par d'autres tirs dans mon armée. C'est les tirs de cette escouade orange. Je vais mettre quatre tirs de, enfin, je vais mettre deux strikes, donc huit tirs de bolter, de stormbolt, là-dedans, et je vais mettre les 12 autres là-dedans. On se retrouve une fois qu'il y aura des morts. L'unité orange a tiré, j'ai réussi à tuer les deux gus, donc ça me fait perdre à mon adversaire cet objectif-là. Et j'ai enlevé euh, quatre brimes, euh, à la rafale. 5 brimes à la rafale. Ici. Donc euh, je vais tirer avec mes... avec mes paladins qui sont là. Ils sont 8. Ils ont l'astral aim. Donc ils tirent et ils ignorent les lignes de vue. Ils ignorent les couverts aussi. Mais je vais surtout déterminer en cible notre ami qui est là. Je vais utiliser 2 points de com. Je vais donc passer de 14 à 12 points de com. Et je vais augmenter ma force de bolter à 5. Mais surtout, je vais passer en PA-1. Ce qui va me permettre de descendre sa sauvegarde d'armure à 4 ⁇ au lieu de 3 ⁇ Et du coup, moi, je vais utiliser le... un stratagème Iron Warrior qui s'appelle Aigre devoir. Qui va me permettre de diminuer la PA de 1 sur les, sur les, sur les, contre les attaques de tir. Ah le vil Bon, ben mon stratagème. Je, je viens de perdre deux points de com' pour rien. C'est pas grave. Je vais toucher à 3 plus Rirol des as parce que je suis dans l'aura de Voldus. C'est euh, ma foi, c'est un beau G. Ça aussi, c'est un as. Bon, alors, mes rerolls ne me servent à rien, mais le G semble plutôt sexy. Euh. Non Vous me dites si vous voyez de... de non, de, de, non, c'est de... bon. Ok. Et maintenant, je vais le blesser à force 5 sur de du 7. Je vais le blesser à 5 plus. Oh Est-ce que mes bolters ont raison de cette infamie euh, Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu as 8 euh, sauvegardes à 3 plus, s'il te plaît, mon ami. Va-t-il mourir Il le mérite cette année. 2 voilà, bah, PV, 2 PV. PV. Il survit à 2 PV, il est toujours à 2 PV, on ma foi, euh... ça fait plaisir. Euh, je vais donc utiliser euh, le Stormbolt de euh, Voldus pour lui tirer dessus. On est sur du 2+, Reroll des As. Ok, et on est sur du 5. Bah, une sauvegarde de mieux, à 3+. C'est bon, 5. Je vais utiliser le Stormbolt euh, de mon chaplain. Tout qui passe sur du 5. Deux sauvegardes de mieux. Ça tank. Ça, le a... le Stormbolter de l'apothicaire. Ah, il, il Il, fera il touche rien. à 3. Il rerolle les as parce qu'il y a le grand maître. Euh, et il blesse à 5. C'est lui qui va faire le taf. Il y en a une. Il y en a une. S'il vous plaît, monsieur. Ça tanque. Ah, Ça euh, tanque, monsieur. Ah, putain. Bon, C'est pas grave. On va le sabrer au corps à corps, mais bon. Euh, du coup, j'ai maintenant 40 tirs de Stormbolt à balancer à 30 pouces, puisqu'ils sont sous la litanie de mon chaplain. Et je vais tout envoyer dans le groin de ces oblitérators, même si je sais que je vais faire peu de dégâts. Avec peut-être un peu de chance, j'arriverai à enlever un Oblite, et ça, ça sera déjà très bien. J'ai donc enlevé 2 PV sur un oblitérator. Bien évidemment, ce qui aurait pu être intéressant, c'était d'utiliser le stratagème pour passer à force 5, PA-1. Contre eux. Néanmoins, ils ont une sauvegarde à 2 et ils sont dans un couvert. Donc, la PA-1 m'aurait servi à rien contre eux. J'aurais pu éventuellement me blesser sur du 4, mais euh, je voulais enlever le, le Defiler pour éviter de me prendre ces tirs de contre-charge parce que je vais devoir le déclarer en charge. On va de suite d'ailleurs passer à ma phase de charge. Et, puis, et avant ça, ouais, voilà. j'ai deux tirs de strike là-bas. Ça touche une fois, ça fait rien du tout. Et, euh, et j'ai fait le tour. Du coup, je vais déclarer en charge avec mes paladins l'escouade d'horreur qui est ici. Et le défiler qui est là, on se retrouve une fois que mon adversaire aura fait ses milliards de contre-charges. Ma charge, elle est valide sur du 4 et plus, et j'ai ma relance. Néanmoins, pour atteindre gros papa, c'est. Mais bon, avec le piline de 3 pouces, etc., donc ça va le faire. Déjà, je fais ma charge à, ma charge à 4, relançable. Ben, je fais 7, et, euh... et ben, en vérité, je vais le garder. Je vais très bien le garder, et je vais faire une charge à 7. On se retrouve une fois que j'aurai fait mon mouvement de charge. Après réflexion, je vais relancer cet as de ma charge en utilisant un point de com. J'étais donc à 12, je passe à 11 points com et je fais une belle charge à 11 et ça ça fait plaisir. Donc j'ai validé ma charge en mettant ce gars-là au contact et après j'ai fait tirer mon cordon. Je n'ai pas contacté les horreurs, c'est volontaire, parce que je ne veux pas les taper en vrai, je veux juste me, me coller à elle au corps à corps. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'activer et je vais faire mon premier mouvement de piline qui doit être de 3 pouces vers l'unité ennemie la plus proche. Donc lui, il va venir se mettre ici. D'ailleurs, lui, il est ici. Il va venir se mettre ici. Lui va se rapprocher. Lui va se rapprocher. Ce qui fait que ces trois-là pourront taper. Lui, il va avancer là. Lui, il doit se rapprocher de lui. Il va venir légèrement là. Lui, il est toujours plus proche de lui. Donc je vais venir légèrement là. Lui va avancer. Lui va avancer. Non, eux ne doivent, eux, eux doivent, eux vont pas pouvoir vraiment bouger. Il n'y a que eux qui pourront... légèrement gagner un petit peu d'espace tout en gardant ma cohésion d'unité. Toujours sans taper les erreurs, Je vais donc m'activer. Je vais avoir. Est-ce que lui, je peux le mettre à un pouce ici Tac. Et j'ai toujours ma cohésion là. Voilà. Je vais donc avoir quatre gars qui vont taper là-dessus. Donc, il faut savoir que ils ont trois attaques de base. Le Paragon, qui est lui, donc, euh, il n'est pas dans le lot. Donc, ils ont 3 attaques de base. Ils en ont plus une parce qu'ils ont chargé, ça fait 4. Et ils en ont plus une parce qu'ils ont les Falcons, ça fait 5 attaques. Euh, ils touchent sur du 3. Ça fait 5 attaques par mec. Ils sont, ils sont 4 à taper, ça me fait euh, 20 attaques. Ça me fait 20 attaques à 3, j'ai pas de reroll particulière puisque je suis hors de l'aura de mes personnages. Je vais donc euh, toucher à 3 sans relance. C'est pas très beau tout ça. Mais c'est pas très beau tout ça. Même un peu... Oh putain, c'est très moche même. Hein. Je fais de la grosse stats, Il n'y a que ça qui passe. Je le blesse normalement à 5. J'ai passé le hammer End, Je le blesse du coup à 4. Et euh, j'ai la relance naturelle parce qu'il est démon. C'est donc sur du 4 relançable. Euh, c'est un peu mieux. Ça suffira, je pense. Ah bah, c'est presque un full, mais bon, c'est léger quand même. Ça fait 6 sauvegardes. AP à moins 2 qui font euh, des 3 damage. Euh, bah, sauvegarde à 5. Ah bah, Allons-y gaiement. Ouais, ça va être compliqué. Ça va pas être évident, effectivement. Bon, il est mort, il est mort dix fois. Ouais, Est-ce est est que ça exploserait pas ce genre ouais. de machine C'est bien, ce serait bien inspiré ça. Non, ça n'explosera pas. Ok, donc lui euh, s'en va. Par contre, maintenant je vais faire le mouvement de piline. Bon, en fait, euh, mauvaise gestion de ma part parce qu'en vérité je ne pourrais pas le graber. Le mur là est très gênant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que sur ma phase, de... ma phase de consolidation à la fin, je vais venir le contacter ici pour au moins être au corps corps-à-corps avec eux et m'assurer qu'ils ne pourront pas bouger et tirer, ça, ça m'embêterait. Euh, néanmoins, il va pouvoir quand même me taper dessus et au final, la manœuvre n'est pas ouf parce que j'ai perdu des attaques sur les horreurs alors qu'en fait, j'aurais pu en leur en mettre plein le groin. Donc, euh, c'est une très mauvaise manœuvre de ma part et, euh, et on ne m'y reprendra plus. Du coup, euh, du fait qu'il ait contacté mes horreurs, bah, je, vais, je vais répliquer avec mes horreurs. Donc, j'ai fait mon peeling pour en mettre le plus à possible, ce qui fait qu qu'il qu y en a neuf qui pourront taper. C'est parti c'est du 4 plus. Voilà. C'est du 5 plus. Voilà. C'est merveilleux. Ok. Bah, fin de cette phase-là. Ouais. Alors, fin de, fin de tour de tour up. Donc je vais faire mes tests de commandement. Les brimstones avec 5 euh, cinq pertes. 5 cinq et 2, 7. Donc ils ont un commandement à 6, donc je perds une. Yes. Ensuite, euh, les cultistes, ils ont, ils ont eu deux pertes. Donc 4 et 2, 6. C'est bon, il n'y a pas bon. de problème. Et, et puis au niveau du reste, on est bon Et je puis pense. je pense que c'est bon. Ok, alors, fin de mon tour. Je vais tenir un objectif au moins. Donc je mets un point. Je vais avoir tué une unité ennemie. Donc je mets deux points. Euh, je mets deux points sur mes objectifs secondaires de fin de tour. Objectif de fin de round. Je tiens trois objectifs. Nounours n'en tient que deux. Du coup, je tiens plus d'objectifs que lui à la fin de ce tour. De ce fait, je mets un point supplémentaire aux objectifs secondaire. En revanche, je vais tuer une escouade de cultistes et je vais tuer le, le, le Defiler et malheureusement, ayant mal joué, je ne tue pas cette escouade là donc du coup je ne n'utilise que deux unités. Lui, en revanche, on a tué trois donc lui met plus un point à ses objectifs secondaires. Néanmoins, je mets quand même un point supplémentaire sur mon beat, Build Butcher puisque je tue deux unités ennemies et, euh, et donc voilà. Ce qui fait que sur ce tour-ci, je mets euh, trois points d'objectifs prim primaire et un point d'objectifs secondaire. Et, euh, et euh, Nounours quant à lui met 3 points d'objectif euh, primaire points primaire. C'est chaud Alors début de mon tour 4, alors il me reste euh, 5 points de com. Donc ce que je vais faire euh, en termes de mouvement, bah, c'est que je vais avancer. Et là les Defilers, on va aller, je pense qu'on va aller charger les paladins. Je vais essayer avec les Oblites de me débarrasser de la strike ici et éventuellement avec un double tir de le mettre sur les paladins. Il va falloir qu'aussi que j'arrive à reprendre les objectifs. Donc euh, le Lord Discordant aussi va, va profiter de, donc, de son sprint charge pour essayer d'aller chercher les strikes ici. Et voilà, on va voir que les horreurs vont se désengager. Puis on va voir comment ça, comment ça va se passer l'affaire. Comment ça se goupille Voilà. Alors, début de la phase de mouvement. Enfin j'effectue mes mouvements, donc, euh, mais au début de la phase de mouvement, il fallait que je fasse la, la, la prière de mon Dark Apostle. Donc mon Dark Apostle au début de la phase de mouvement était ici. Il va lancer une prière sur lui pour avoir plus un à ses armes de tir. C'est bon, ça passe. Donc lui il aura plus un pour toucher avec ses armes de tir. Ensuite, en termes de mouvement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sprinter les cultistes pour avoir plus de, plus de, plus de figurines que lui sur l'objectif. Le Lord Discordant et les deux Defilers se préparent à tenter une charge sur les paladins. Les Obliterators vont rester là pour, pour tirer sur, sur les strikes là-bas, parce qu'il faut que je m'en débarrasse. Et peut-être éventuellement une double phase de tir sur les paladins. Et on va voir ce que ça donne. Bah, les canons laser, c'est simple les canons laser se sont mis en position en ligne de vue pour voir les paladins, donc ils tireront sur les paladins. Et les cultistes se sont reculés dans la ruine pour garder l'objet tranquillement. Alors, début de ma phase de psy, je vais commencer par lancer euh, Thermodyte avec le Master of Possession. Thermodyte, rappelle-nous Qui donne plus 1 à la revue dans un rayon de 6 pas sur les oui. machines démons. sur les démons. Donc ça fait 5 et 4, 9. Je vais essayer de la dispel avec euh, mes paladins. Non. Euh, ah, t'as plus 1 pour dispel. C'est pas suffisant. Ah, oui, c'est vrai. Euh, donc c'est bon. Et je vais lancer un châtiment sur tes paladins. À 11. Ouh, Ouh. Ouh. C'est qui qui lance ça C'est le Master of Possession. Euh, un petit châtiment à D6 ça fait plaisir. Il faut 5 et un 6 pour le dispel avec le paladin. Non. Non, ça sera D6. Allez, un 3. Plus. Oui c'est bon. 3 3. Bah fou que t'as as 3 PV. Ah oui, Ah oui, pardon. Pour okay. en buter un direct. Ah d'accord, ok. Pourquoi oui, oui exactement, je ne comprenais pas le, la notion du 3. Plus. Euh, je vais enlever ce jeune homme-là. Il réduit mes charges, le fourbe. Alors ensuite, le sorcier, il va lancer une prescience sur lui. Qui passe, je suis un GK, je dois dominer cette phase de psy. C'est de l'abjurer avec le euh, E. Ça as abjure du coup. T'as plus un, oui, bon, Bien casse sûr. donc c'est abjuré, oui, pas de problème. Et je vais lancer une force diabolique, diabolique et ça passe aussi. Ah ben là, j'ai plus rien, plus de dispel. Ah, mais non donc il aura plus en force, plus une attaque. Et ma fin, euh, et j'ai oublié le petit change caster qui va lancer sa petite eh oui. son petit regard du destin 5 et 1, 6, ça passe pile poil. Donc, j'aurai une petite relance gratuite. Qui fait plaisir. Début de, début de ma phase de tir, je vais commencer par lui qui va tirer son canon laser jumelé pour finir le dernier, euh, le dernier strike et qui va mettre son obusier dans les paladins. Je vous propose qu'on se retrouve euh, une fois la poussière retombée. Ok, du coup, au canon laser, il m'a snipé le dernier strike, et quand il a tiré à l'obusier sur cette escouade-là, eh bien, j'ai utilisé la physiologie transhumaine. Du coup, il ne me blesse maintenant que sur du 4 lorsqu'il me tire dessus sur cette unité-là, et de ce fait, il n'a rien fait, et on passe à la suite de ses tirs. J'ai utilisé une relance pour, euh, pour, pour le, le canon blessure, laser, c'est ouais. lamentablement cuté. Ce qui te fait passer à 4 points com, com, et moi, ce qui me fait passer à 10 points de com. Voilà. Ok, ensuite, le tir suivant, les Avocs en canon laser vont tirer sur les paladins. Allons-y gaiement Hop, envoie un 2D s'il te plaît. Mais à votre service, euh, euh, merde. si allez sur du 3. Sur du 3 plus Pas de reroll Pas de reroll. 2 okay, touches. 3, 3, 3 touches. Je suis blessé à 4. Donc à 4, ça fera une blessure. Une, j'ai mon invue à 4 parce que j'ai passé mon sanctuaire. Un invue à 4 de mes. Eh ben ça tient. Ça tient. Ça, ça fait plaisir. Quand les canons laser font pas de dégâts sur tes paladins. Et même genre... si j'utilise le vétéran la lumière, c'est tout à Ah quatre. ouais, oh, okay. C'est euh, mon... non modifié en fait. Ok, Donc lui, il va tout mettre sur les paladins. Allez, c'est parti. On se retrouve une fois la poussière retombée. Donc ce, euh, ce défiler là, canon laser, obusier dans les paladins. Ok, donc là, euh, la poussière retombe et il m'a tué le, le paladin qui était ici qui était déjà amoché par les mortal wounds des smites. Et c'est à qui le tour maintenant C'est au tour des obliterators, monsieur. Obliterators donc, euh, je vais faire le profil. C'est parti. Alors, force. Force 9. En vérité, la force, on s'en tamponne un peu. PA-3. On s'en tamponne aussi un petit peu. Euh, C'est ça qui était important. Bah, ça va. Oui. Mais oui. je vais quand même faire ma première phase euh, sur les strikes parce qu'il faut que je m'en débarrasse. Ok. T'éviter de prendre un objet. Donc, première phase de tir sur les strikes. Normalement, ils vont mourir. On se retrouve une fois fait. Alors, du coup, j'ai réussi à lui enlever euh, l'escouade de strike. Je vais dépenser 2 points de com' pour retirer avec les oblites. Et je vais tirer sur les paladins. Les paloufs Alors, je suis obligé de refaire mon profil. Allez, c'est parti Donc ça sera force 8. Ça, c'est pas très important. PA-1, on s'en fout. Ah si, ça du coup, j'aurai une save ah, à 3, à 3, du 3 coup. Plus, ouais. Ouais. Et c'est ça euh... qui m'intéresse. Euh, PV 3. Damage 3. Ah. Bon, j'aurai une save à 3+, plus quand même. Et il me laissera que sur du 4. On va filmer ce jet D, parce qu'il est intéressant, quand même. On va voir comment on met paladin tank. Tu touches à 3. Euh... 3. Je blesse à 2. Tu blesse à 3, mon gars. A 4, tu blesses à 4, à 4. Oui, de toute façon, oui, c'est parti, attention, sur du 3+. Plus. Chut, 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 chut. Ok, et maintenant, ça blesse à 4. D'après mes statistiques Ipsos, il doit faire 8 blessures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. on est pas mal. Et comme il n'a que P1-1, eh ben, j'ai de la save à 3+, plus. on est d'accord Nous sommes d'accord, mais c'est un qui part à chaque fois. Un qui part à chaque save raté. Allez, c'est parti, sur du 3+. Plus, bah, 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 bon, bah, paladin tanking. Dans le sens, c'est pas plus mal. Au moins, ça va peut-être peut-être décanter, quoi. Peut-être me faire charger. Donc, ce, ça signe la fin de ma phase de tir. On va passer à la phase d'assaut. Alors, phase d'assaut. Donc, euh, mes deux defilers vont charger sur le, les paladins et je vais même tenter parce que j'ai le droit. Je vais tenter une charge aussi. Avec le Lord Discord. Qui charge en premier, c'est à dire qui mange les tirs de contre-charge. lui le plus proche, bien ben évidemment. J'envoie je mes tirs de contre-charge. Là, j'ai 4 gars et après, j'en aurai 3 supplémentaires. Il y en a une, deux, euh, il y en a deux. Je te fais les blesses dans la foulée sur du 5. Il y aura une save. Et ensuite, euh, la deuxième salve. Eh ben, il t'aura qu'une save. Mais ça sera le PV de la honte. Réussi. Non. C'est une charge à combien euh, Charge à 6, je crois. Ouais, ouais c'est une charge à 6. Plus de 5, moins de 6. C'est parti, charge à 6. 8, c'est bon, c'est bon. Donc là, je, lui, va charger. Donc comme il avait la papate dans un cratère, il a moins 2 à sa charge. Donc ça fera une charge à 9. No mmh. problème. No problème pour eux. Et donc lui, le ppr 12 moins 2, ça ne pourra pas... Je ne pourrai pas charger, non. ce ne sera pas, possible. Ah donc, donc, pas ce possible. Ce sera la fin de ma phase de charge. Alors, début de ma phase de combat, je vais commencer par faire taper lui. Je vais utiliser un point pour le fourreau infernal pour pouvoir relancer les touches et les blessures. Ok. Euh, moi, de mon côté, je vais utiliser deux stratagèmes. Je vais utiliser en premier physiologie transhumaine, puisqu'on est sur une nouvelle phase. Je peux réutiliser ce stratagème-là, ce qui fait qu'il ne va blesser mes paladins que sur du 4. Et je passe donc à 8 points de com et je vais utiliser dans la foulée aussi 2 points de com qui fait que je vais pouvoir taper avec un paladin lorsqu'il meurt. Et ça c'est plutôt stylé. Ok donc donc il a j'ai 7 attaques grâce au flot de defiler. Hop j'ai une attaque de plus parce que j'ai chargé et j'ai passé la force diabolique ce qui me donne une attaque en plus. Ouais. Donc c'est sur du 4 Et tu les rerolles. et je riole Donc alors déjà j'ai un 6, ce qui fait que je pourrais rajouter une touche. C'est qui qui file le... C'est lui. Ah si pas, il est... Ouais, il, est, il est... Le droit. Donc euh, ça... Donc... Il dit il y est lié, mais... Ah non, non j'ai bien géré. Ah <laughs> oui, je me Ok. Donc je refais un 6. Ça c'est sur Terry Roll, okay. ok. Et ça ça passe, ça ça passe. Ok, c'est pas, pas mal du tout. Et là c'est sur du 4. Euh, c'est sur du 4 du coup. Car j'ai ouais. la physionomie transhumaine. Hop. Donc, ça fera 3 6 blessures APA-2 qui fait 3 dommages. Donc, du coup, je vais les faire euh... ben, je vais les faire tout en même temps, en vrai. Donc, je suis sur mon invue à 4, tout simplement. Euh, C'est parti. 1 a à 4. Alors, okay. ici, du coup, je perds 4, 4 paladins. Temps. Je vais utiliser euh, un point de com. J'utilise un point de com. Donc, je passe à 5 points de com. C'est sauvé. Donc, je vais tuer 3 paladins. Donc, je vais tuer lui. Donc, il va s'activer, taper. Lui qui va s'activer, taper. Alors non, d'abord en fait, lui va rester là. Lui va s'activer, taper, mourir. Et lui va taper, mourir. Je vais donc faire tuer ces trois là qui vont taper immédiatement grâce au stratagème que j'ai utilisé. Euh, j'ai donc quatre, euh, trois attaques pour le paladin de base. Euh, plus un parce que j'ai été chargé et plus un parce que je suis en Nemesis falchion. Ça me fait donc 15 attaques. Il y en a cinq qui vont aller là, 10 qui vont aller là. Donc les cinq qui vont aller là, c'est sur du 3 plus euh, sans relance d'aucune sorte. Ok, et après je le blesse normalement sur du 5, mais je suis toujours sous le rat de mon... sous, sous joug de mon hammer end, donc je le blesse sur du 4 et c'est reroll. Ok. Et c'est PA-2 et c'est D3 flat. Sans plus Rien. Dans 3D3. Il prend 3D3 dans sa mouille. Et bien ça fait Un, deux, trois, 4, 4, 4. 4 PV. Okay. Ça c'est pour le premier. 10. Et après, pour le deuxième, lui il en prend 2 dans le groin. On est sur du 3. Ok. Et on est sur du 4 relançable. Hop, ça c'est relançable. Et ça fait 4 sauvegardes à 5 pour le deuxième. Cassé, dommage. Une qui passe, donc 3 des 3. 3 des 3 3 des 3. 3 des 3 dans sa mouille. 3, et 4 et ben 5. 5. Ok, il passe à 9. Ok, donc du coup, avec les, les pertes que j'ai fait, il a enlevé les paladins là, ce qui fait que même avec mon, mon peeling de 3 poches je pourrais pas taper dessus. Donc le combat en reste là. Et pour la fin de lui, il aura activé toutes les unités qui ont été éligibles puisqu'ils ont réussi leur charge. Et moi, en enlevant mes, mes personnages, du coup, je ne suis plus en contact, du coup je ne peux plus m'activer. Euh, et, euh, et je pourrais être libre de mes mouvements sur le prochain tour. Phase de morale, il m'a fait 5 morts sur mes paladins. J'ai pas envie de prendre le risque d'en perdre encore 2 au moral sur un 6. Du coup, je vais utiliser deux points de com, ce qui me fait passer de 5 à 3 pour les sauver au moral. Je tiens un, un, un ou plusieurs objectifs, donc je marque un, un point. point. Je t'ai détruit une ou plusieurs unités, je tu marque un deuxième deux points. point. Et tu tiens quatre, je tiens quatre objectifs, donc je marque un point en supplémentaire. Et tu m'as fait euh, tu m'as fait euh, et tu fais 2 points sur ton objectif secondaire de Gangbuster parce que de... tu ouais, as tué 5 cinq, cinq paladins. C'est donc... par tranche de 2, donc je marque 3. Non, c'est par tranche de 6 PV. PV. Là de tu m'as fait 15 PV. Okay. Donc tu as 2 tranches de 6. De ce qui fait que tu mets 2 points sur ton objectif secondaire. Ouais. Début de mon tour 4, donc là euh, bah, ce que je vais faire c'est que je vais sortir avec, euh, avec tout le monde, je vais avancer, je vais envoyer ma strike qui est là-bas dans le coin s'occuper euh, du paquet d'horreur. Et puis, euh, je vais tenter de faire un sanctuaire avec mes gars qui sont ici euh, pour les faire popper dans cette zone-là et venir l'encercler et le charger. Euh, L'idée, c'est de réussir à capter ma bulle de relance avec mon personnage qui est derrière et puis de réussir une charge à 9 rerolls. Donc ça, c'est important que je le fasse. Et on se retrouve immédiatement après phase de mouvement. Alors, début, de la phase move de, début du tour de, de tour-up. Donc moi je vais quand même utiliser ma prière avec mon Dark Apostle qui se trouve ici. Et je vais utiliser la prière sombre zélote qui va me permettre euh, aux unités qui sont à 6 pas de lui de relancer les jets de touche en phase de combat. Donc ça passe sur du 2. Et c'est bon. Donc je pourrai relancer mes jets de touche. Ok, fin de ma phase de mouvement. J'ai donc avancé mes personnages pour essayer de faire bénéficier de mes auras tout ce petit monde. J'ai avancé mon apothicaire qui finit euh, tout proche de cette escouade de paladins. Et sur un 4, bim, nouveau paladin. Ça, ça fait plaisir. Donc j'ai un paladin qui va pouvoir popper euh, et qui est ici. Donc il doit être en cohésion d'unité avec les premiers. Et donc, hop! Petit paladin en plus. Euh, J'ai avancé cette escouade là pour qu'elle soit à la fois à courte portée de eux et qu'ils vont venir, et venir charger là-dedans. Et on va immédiatement passer à ma phase de magie. Le premier sort que je vais lancer, c'est le sanctuaire que je vais envoyer sur... Euh, ils vont se le passer eux-mêmes. C'est sur du 6, du coup ça passe sur du 5. Ok ça passe, ils vont pouvoir se téléporter les petits gars là. C'est good, ils ont utilisé... Pardon, non pas le sanctuaire, je me plante encore. Hein. Ils ont utilisé le portail d'infinité qui va permettre de les faire TP. Euh, donc le sort là est passé pour eux. Maintenant on va euh, dérouler les sorts qui sont un petit peu plus obvious euh, je suis toujours dans ma taille de, de, de smite donc euh, je vais balancer du smite euh, d'abord je vais commencer à me buffer donc je vais commencer par envoyer avec le Librarian Sanctuaire sur l'escouade de paladins. je vais l'envoyer sur celle ci parce que c'est elle qui partira le plus vite au charbon euh, ça passe sur du 6 je caste à plus 2 donc ça fait ça passe à 9 euh, ensuite euh, lui, il va envoyer un gros Smite dans sa mouille à lui, euh, hop, ouais, ça passe très aisément, donc ça euh, fait 4 mortales sur lui. Je vais caster avec lui, peut-être Ça passe à 7 plus 2, ça passe à 9. Ouais, c'est lui. Oh, de toute façon, euh... Ouais, je vais essayer de le caster. Le Dispel, 8. Ça passe, il prend 4 mortales dans sa mouille. Okay. Je l'avais déjà ça... moché un peu, non Il avait déjà pris du Ouais, coupé. il passe à 6. Ok, donc lui a envoyé tous ses sorts. Voldus, il a passé euh, un sort. Non, il n'a pas passé de sort d'ailleurs. Voldus, il va passer le hammer end sur eux, qui va permettre de blesser à plus un. Euh, ça passe. À 7. Euh, ça passe à 7 du coup. Euh, il a balancé un sort. Il va jeter un deuxième sort qui est un gros smite dans sa mouille à lui. Ça passe aussi à, à 5 plus 1. Donc il reprend ouais, là, 4 mortels. Je peux plus avec lui. Donc il en reste plus que 2. Ok. Euh, donc euh, il a jeté deux sorts. Et il lui reste ensuite. Euh, un petit Astral Aim qui va être un tir sans ligne de vue. Euh, et bah, écoutez, euh, écoutez, je vais y réfléchir ensuite. Le Brother Captain, lui, il a le moins 1 pour être blessé. Je vais le passer sur cette escouade-là, moins 1 pour être blessé. Yop, et ben bah, ça passe à 6, donc euh, ça passe tout rond, puisque je passe à, à 5 plus 1 6. Donc euros moins 1 pour être blessé. Et son deuxième sort, il va jeter un Smite pour sécher le dernier. Ça passe aussi, donc lui est séché. Est-ce qu'il explose euh, Est-ce qu'il explose Allez, est qu il explose, il explose. Non, ah ben non. Ok, donc lui a jeté ses deux sorts. Lui a jeté ses deux sorts. Voldus a jeté deux sorts. Son troisième, c'est Astral Aim. Pas forcément grand intérêt. Euh, je vais maintenant avec l'apothicaire jeter un smite encore sur notre ami qui est ici. Et il reprend 4 mortals. Celui-ci. Qui lance le sort C'est l'apothicaire. Euh, l'apothicaire, je peux abjurer avec lui. Okay, mesuré. Donc, il est passé à 6 et un 7. Euh, 7 c'est pas abjuré du coup dommage il Donc, prend 4 mortales il repasse à 5 ok et euh, ensuite euh, le chapelin euh, il va me passer il va me passer quoi le chapelain il va me passer euh, il va garder la taille parce que la taille de Smite est vraiment pas mal ah bah ouais et euh, <laughs> ah bah oui qu'elle est pas mal et il va terminer de me sécher lui en vérité je vais sécher lui c'est le Chaplin Ouais, c'est le, le chaplain. Je peux pas... euh, Je vais le sécher au smite. Il est mort. Ouais, il, reste, il reste un. Il reprend 4 PV là. Oui, il reste un. Ah, ok, d'accord. Autant, autant pour moi. Euh, bah Du coup, je vais utiliser le paladin. C'est lui qui va caster. Et lui il va le sécher pour le coup. Ça passe. Ah, il, il me reste une abjure avec le sorcier. Ok. Qui sont à 24 du paladin. C'est abjuré. Eh bah... eux, ils me. Si, ils ont lancé le sanctuaire. Donc en vérité, tout le monde a envoyé ses smites. Euh, tout le monde a ah ouais, envoyé ses smites, on est bon. On est bon, on est bon. Euh, du coup, je vais pouvoir. Ah, il me reste eux. Avec les verts, je vais pas jeter un smite parce que sur... ça va partir obligatoirement sur eux et je veux pas réduire ma distance de charge. Par contre, je vais jeter une petite purge soul sur nos amis les, les cultos. Donc, déjà, est-ce que ça passe Oui, ça passe. Maintenant, commandement 6. Moi, commandement 8. On jette chacun un dé. Bah, je fais 6. 2. 2. Donc, moi, en gros, je fais 8 et 6, 14. Toi, tu fais 6 et 2. 6 si c'est de 8 si c'est de 8, donc en gros, tu prends <laughs> le différentiel en mortal, ça fait ça fait 8 mortes, euh, ça fait beaucoup de mortal. Ouais, Ça fait qu'ils sont morts en vérité. Bon, bah, ben, on enlève donc d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais faire tirer mes persos euh, avec leur Stormbolter sur ce gars là. Il lui reste un PV, je vais essayer de le sécher. Je vais commencer par Voldus, puisqu'il touche sur du euh, 2 plus, ok. Et je te blesse sur du hop, je te blesse sur du 5. Il ne fait rien. Ensuite, je vais utiliser euh, mon brother captain sur du 2. Et sur du 5. Il right, y en fait a une. une qui passe. Il n'y a pas de plus. PA. Voilà ah, le Terminé Le suspense est à son comble. Il n'explose pas. Ok, c'est parti. Je vais activer ces paladins-là. Ils vont mettre tous leurs tirs sur les obliterators qui sont là. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, là, je vais faire tirer 4 gars en premier. Et après, il me restera encore 2 gars à faire tirer. Je le touche sur du 3. Reroll des As parce que je suis dans l'aura de, euh, de mon. Comment il s'appelle De mon Brother Captain. Masse d'as que t'avais fait, putain. Hop, 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 hop. Ok. Et là, par contre, c'est de la force 4 sur l'an du 5. Je le blesse sur du 5. Et il aura la save à 2 derrière. Il aura quand même 3 sauvegardes à faire. 3 sauvegardes à 2 à faire. C'est parti. Euh, J'en perds une. Ok. Je vais tenter de lui arracher un PV. J'ai un, o... un oubli qui a plus qu'un PV. Ouais. Ça, c'est la rigole des as. Ok. Et ça, maintenant, c'est sur du 5. Ouh. 4, 4. sauvegardes pour lui. Est-ce qu'il va mourir Ça serait bien mathématiquement. Euh... Ouais, bon. bah, je vais cramer une relance. Oh Tant il que... crame une relance Pour te faire les dents dessus. Ok, euh, j'ai fait tirer tout à l'heure Voldus et mon Brother Captain. Je vais donc maintenant faire tirer mon apothicaire sur les oblites. Les oblites. Euh, je suis dans l'aura de mon Brother Captain. On est bon. Et maintenant je le blesse sur du 5. Ça ne fait rien. Je vais faire tirer mon chaplain aussi. Toujours dans les mêmes. La reroll des as, ok ça passe pas. Et maintenant sur du 5. J'ai eh même sauvegardes, est-ce qu'il va me faire un petit As bon. Ah non euh, Et j'ai donc... Il me reste mon... Mon, mon, mon ap... Euh, pas mon Apothica, mon Librarian, parce que je lui ai payé son, son Stormbolt. Donc il va rebalancer la même sauce il sur eux. Il a pas eux. tiré sur le... Non, il n'a pas tiré. C'est les, les deux... Euh, les deux là qui ont tiré. Avec leur CT de 2. Ouais, je te crois. Allez hop Ok, et on est sur du 5. Allez, 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 allez ah non, toujours ah C'est moche. Ok, euh, je vais utiliser va mes consommer. strikes qui sont là pour balancer. Euh, bah écoute, on va balancer 8 tirs dans le. 8 tirs dans la... Dans le Lord. Dans le Lord. Ça mange pas de pain. C'est sur du 3, c'est sur du 5. La sauvegarde à 2, si je lui enlève un PV, ça sera déjà bien. Et eh ben ça te fait rien du tout, ok. Je vais maintenant activer cette unité là. Je vais faire tirer une, deux, trois gars dans les brimstones qui sont juste ici. Et je vais faire tirer les 5 qui restent dans les oblites en espérant enlever le dernier PV. Je vais d'abord faire tirer les 3 dans les brimstones. Je touche à 3. J'ai fait tirer mon cordon pour avoir ma reroll des charges, ce qui me donne aussi ma reroll des as pour toucher. Donc je touche à trois reroll des as. Il n'y en a pas, si il y en a un. Ok, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, et maintenant je le blesse sur du 3+, j'ai une force de 4, il a une endu de 3 euh, Hop, 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 et lui maintenant, il a de la vue à 6, attention Oh là oh là, là oh, oh, oh Oh, c'est moche Oh oh là là, les brimes qui survivent Ah oh oui monsieur Ah oh oui monsieur ah, C'est <laughs> la vengeance de mon triple 6 ah de tout à l'heure Ok, c'est pas grave, je vais me venger sur ces ah, il est Sur baltringues d'Obliterator Donc il y en a 5 qui vont, 5 qui vont tirer dessus Là j'ai... hop. Allez c'est reparti, je suis sur du 3 à reroll roll des As et je le blesse sur du 5 Oh ça m'a remis du beau moqueur Oh ça l'a lui... ah, ah, oh, remis du beau On est des GK bordel, il faut qu'on sèche ces démons, euh, <laughs> c'est parti Ok ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon Ça ça va sur les Oblites c'est ça 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 va sur les oblits. et maintenant je te blesse sur du 5 sur les Oblites, il faut que je tue son dernier PV d'Oblites Tu as 1, 2, 3, 4 et 5 sauvegardes sur, euh, sur... Il va mourir bordel Et non oh là, là, Et non Mais c'est impossible Et non C'est incroyable eh j'ai envie de te dire, j'ai fait tirer tout le monde. Ça va être l'heure de la grosse jeu -char. Déclaration de charge avec mes paladins qui sont ici. Je vais charger euh, sur nos amis qui sont ici. Je ne peux rien charger d'autre parce que j'ai rien dans l'aura des 12 pouces. Donc euh, il m'a fait l'Overwatch déjà, ça n'a rien fait. Je fais ma charge. C'est une charge à 7 et c'est reroll. Je n'ai pas besoin de la reroll, je fais 8. C'est parti. Chargé maintenant que eux sont loqués, je vais faire charger les strikes. Ils ne prennent pas de contre-charge. C'est une petite charge. C'est une charge à 9. Et du coup, je vais faire euh, ma charge et je vais tout leur mettre. Dans le cornet. Mince. perdu son sac à dos. Il a perdu son sac à dos. Donc, eux, d'ailleurs, non. D'ailleurs, non, je vais venir contacter un maximum de monde. Ici. Ok, ensuite, la charge importante, c'est celle-ci. Je vais déclarer en charge. Alors, je peux toujours peut-être déclarer les brimes. Oui, je déclare les brimes, je déclare eux, je déclare. Euh, les... Bah, le personnage du fond, je peux... si je peux la voir, je peux pas la voir ici. Je peux la voir. Non, je peux pas la voir. Donc, je vais déclarer les brimes, les gars qui sont ici et ce gros baltrin qui est juste tu là. Tu pas le voir, ce, du coup Le mec du fond, là, je l'ai Celui qui a plein de temps. Non, de... je l'ai. C'est le mec qui a le bouquin que j'ai pas. Ah, as le. Parce qu'il a un tir de fuseur, donc éventuellement. Vas-y. À 6 pas, à 6. Six... Non, voilà. Ok. Euh, C'est donc une charge à 9 relançable. Ouf, je vais utiliser. Un point de commandement pour ne pas parce que en fait ma relance m'oblige à tout relancer ce qui ne me plaît pas parce que le 6 c'est bien donc je vais utiliser un point de com à la place pour relancer qu'un seul dé. Yes ça ça fait plaisir et donc je vais charge faire ma petite charge à 11 du coup ma charge est donc validée sur les brimes ici j'aurai un gars en contact ici là dedans je pourrais taper avec deux gars et ici sur lui je pourrais taper avec deux gars aussi Ok, je vais activer en premier. Euh, en vrai, je vais activer en premier mes paladins parce que euh, je vais avoir le moins d'attaque avec eux. Euh, donc je vais, les, je vais les activer. Je vais faire mon piline, taper ma conso. On se retrouve une fois que ça c'est fait. Ok, c'est good. Les paladins ont été activés. Ils ont tapé. Il a très très bien sauvegardé, qui fait que je ne fais que 3 morts. Et, euh, et après, j'ai fait mon piline pour prendre un petit peu de terrain. Donc ça c'est fait. Et je vais de suite activer ma strike squad. Ici, je vais me rapprocher pour avoir mes 12 attaques et je vais lui tambouriner. On se retrouve après. Ok, je vais activer cette escouade là. Du coup, lui, il va pouvoir taper là-dedans. Lui tapera pas, lui tapera pas, lui tapera pas. Les deux taperont euh, dans le sorcier et les deux qui sont là taperont dans le warpsmith. Ok Allez, on se retrouve une fois que les coups de lame auront été donnés. Donc là, je viens de taper sur sa balle de sorcier. Il me fait en sauvegarde. Il me fait ça en sauvegarde sur, sur euh, les sauvegardes à 5 plus 1 vu qu'il a à faire. Donc je fais euh, mes 3 D3. Et bien évidemment, je fais 3. Il a 4 PV. Je vais donc euh, utiliser un petit point de com pour le tuer définitivement. Ouais, il est mort. Il ne me reste plus que un point de com si je ne m'abuse. Save à 4. Save à 4 de son Warp Smice. Bah, tu regardes. Ouais, que... Comme par hasard, quand on filme, ça passe. <laughs> attends, attends, je te fais les 4 D3. Il y a combien de PV il en a 4. Bon, je ne peux pas me queuter, mais quand même pour l'honneur. il est mort. Ça je vois que tu... Ok, je vais donc faire mon mouvement de consolidation. Donc là, c'est important. Donc de mon côté, c'est la fin de la phase de combat, et maintenant, et euh, eh bien, nous-nous va pouvoir s'activer. Donc je vais activer mes horreurs pour pouvoir répliquer, pour que Paul lui enlever euh, une ou deux strikes. Ok, fin de mon peeling. Donc il euh, y en a 6 qui pourront taper. Donc c'est parti. 3 touches, 4 touches. Du 5, plus. rien du tout. Et voilà. Donc heures, je finis mon tour euh, là-dessus. Petit test de morale pour eux. Ils ont perdu 4 gars. Oui. Cet amour-là. Euh, ils ont commandement 7. 7 et, donc, 4. Euh, 7 et 5. 7 et 5. Non, j'avais perdu. Tu as perdu 4 4 et 5. 9, tu en 9. repères 2. Oui. 2 supplémentaires. Euh, pour le reste, bah, tout ce qui a été euh, contacté est mort. Alors, au niveau du scoring, à la fin de mon tour, pour les objectifs primaires, je tiens un objectif, j'ai tué au moins une unité. Je mets deux points. Ensuite, fin du round de bataille, je tiens un, deux, trois objectifs. Il n'en tient qu'un seul. Je mets donc un point supplémentaire parce que je tiens plus d'objectifs que lui. Et en nombre d'unités détruites, j'ai détruit les brimstones, le sorcier, le warpsmith, les deux châssis. Et, euh, et c'est déjà pas mal, ce qui fait que je détruis plus d'unités que lui, ce qui fait que je mets 4 objectifs primaires sur ce tour-là, en plus sur mes objectifs secondaires, je vais avoir tué, euh, alors persos. je vais avoir tué deux persos, donc je mets 2 points pour le chasseur de prime, le chasseur de tête, ouais. et en plus j'ai tué une unité. 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités. Donc je vais pouvoir remettre Bill mes deux Bill. derniers points supplémentaires sur Build le Butcher. Donc je remplis la totalité des points que je peux faire sur Bill le Boucher puisque j'ai tué, bah, tué le nombre d'unités qu'il fallait. Donc ce, 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 Cet objectif là je ne peux plus le scorer. Et, euh, et je mets deux points supplémentaires sur mon autre objectif secondaire qui était de sniper des mecs. Alors début de mon tour 5, il me reste deux points de com qui vont sûrement me servir à, à faire une double phase de tir avec les, les oblites. Donc là bon bah j'ai perdu une bonne partie de ma force de frappe. Donc là on va essayer de gratter des points comme, euh, Faire comme on peut. peut. Donc euh, je vais me concentrer je pense sur les objectifs secondaires. C'est-à-dire qu'il me reste 4 paladins à tuer pour euh, pouvoir marquer mon... Gangbuster. mon gangbuster. Et avec le Lord Disco je pense que je vais aller euh, dire bonjour à la, à la famille Adams là-bas. <laughs> Et essayer de de casser euh, un ou deux persos éventuellement pour marquer des points et euh, bah, là ça va charger dans les paladins, là ça va aller dans les paladins voilà on va faire ce qu'on peut et puis euh, on, va, on va essayer de marquer le plus de points possible pour limiter, le, pour limiter la casse ok donc euh, fin de la phase de mouvement, d'abord enfin normalement au début de la phase de mouvement j'utilise la prière de mon Dark Apostle qui va utiliser la prière sombre pour relancer les jets de touche et ça passe pas de problème et okay. moi je vais utiliser mon chaplain pour que Voldus puisse euh, dispel à plus 3, ça passe. Ok. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le Lord Disco il va aller dans le pack de personnages pour essayer de faire du dégât. Les aurores sont restés au contact pour continuer le combat. Lui il est venu là pour éventuellement smiter dans les paladins. Le Skullmaster il est venu là, il va charger. Et là on va pouvoir passer, je pense, sans transition à la phase, à la phase psychique. Qu'est-ce que vous en dites <laughs> Allons-y gaiement <laughs> Donc ça va se résumer à un smite dans les paladins. Qui ne passe pas. Ça va ouais. les coups de passer ma litanie <laughs> sur et survoler. Euh, et je vais du coup, je vais aussi passer ma petite relance euh, gratuite, toujours avec le change caster. Et ça, ça passe. Tu peux éventuellement. Je vais abjurer avec mes paloups, c'est passé à combien euh, 7. Tiens. Non Donc j'aurai une petite relance euh, gratuite. <laughs> Gratuit. Donc on va pouvoir passer à la phase de, de tir, tir. Ok, je vais commencer avec les... les, les aveugles qui vont tirer leur canon laser dans les paladins sur du 3. Plus. Hop, 3 touches. Du 2. Plus. Non. C'est ah. sur du 3, plus, parce qu'oublie pas j'ai passé le sort, la cuirasse qui leur permet d'être blessé à moins 1. Sûr. Ok, donc ça fera 2 blessures. Ça me fait 2 invues à 5. Ah. Ok. 2 ratés. La première, un PV. La deuxième PV. 1 mort. Euh, et je vais t'enlever. Et je vais t'enlever. Euh, je vais t'enlever lui. Non, parce que là je te conteste l'objectif. Éventuellement, je vais plutôt t'enlever lui. Donc on va passer aux obites. Et ils vont tirer dans les squats de paladin ici. Ah Et il a plus assez de points de com' pour faire son double tir. Si et je m'abuse. reste deux. Je vais garder deux exprès. Ah ouais Oui. Ah le coquinou. Oui, oui, monsieur. <laughs> oui monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, ok, c'est parti pour le profil. Donc sera force 9. PA-2. Allez, allez, casser Ah, un dommage. Euh, si, si, euh, tu utilises ta Roll de. Bah, euh, ah oui, j'ai ma petite relance gratuite, c'est eh vrai. Oui, il faut y penser. Ça fera deux, deux dommages. Bon, c'est mieux. C'est parti. Sur du 3 plus. 3 plus. Allez, dis-moi que c'est un petit peu moche là, que tu catapultes. Oh, oui, c'est ah, moche. Oh, il ah, ouais, oh, y a encore un As là. Oh là là, il est moche, le C'est moche. Donc, euh, force, 2, plus. Plus. force 8. Oui, oh oh la c'est beau! La la la. Ah, ça y est, il craque! Ça y est, il craque! La la lalala la lalala. La lalala donc, la normalement, j'ai une avue à 5, mais il a fait que PA-2 vu que j'ai une sauvegarde à 2 de base. C'est à euh, 4. Du, de ce fait, c'est une save à 4 pour moi. Allez, allez allez, on y croit, les gars. Ah, avec... ah putain, donc bah, ça, ça en fait un mort. Un mort et 2 PV. Ouais. Donc, je vais t'enlever. Un mort. Et 2 PV. Ben donc, sans transition, j'utilise mes 2 PC. Mes 2 derniers PC. Pour refaire une phase de tir avec les oblites. Donc c'est reparti. Profil. Ah. Force 8. Ah. PA. PA-3. Ah, mais... ça, ça pique. Et 3 dommages oh ah. ah Ouh, je vois des As. Oh là, de là, là 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 là. C'est ah, pas, pas, pas très beau. C'est pas très beau ça. Je hein. continue à ce côté. Allez, je veux une plus d'as. Une plus d'as pour la puissance GK, s'il vous plaît. Ah Ah, du 2. Du 2. Un as, bon ça va. 2, 4, 6, 8, 10. Et là cette fois-ci, je suis sur de la save à 5, puisque t'as PA-3. Si Et puis c'est d'humeur flat. Euh, là, euh, je vais peut-être mourir. Pour la beauté. Oh ouais, je suis mort. 1, 2, 3, 4. Ouais, bon, quatre... bon. ouais j'en je, je réussis qu'une. Hein, à titre posthume, quand même, j'en je réussis qu'une. Donc euh, ils sont tous morts. Bon, je sèche une couette de paladin. Hein. C'est pas trop mal. C'est pas déconnant, effectivement. Donc je marque mes 4 points. Oui, donc, euh, grâce à ça, j'ai réussi à marquer mes 4 points de gangbusters gang qui consistaient à, à tuer au moins... Euh, tu... à tuer des paladins. <laughs> sommes somme moins... toute <laughs> <laughs> des figurines. Au moins plein de paladins. Donc je vais passer à ma phase de charge. Allez. Donc, euh, donc, donc marques, le Skull Master, tiens, il, il va, va, prendre, va charger il va prendre les dans 7, les paladins. Qui... Les 5 paladins là en contre-charge. C'est parti, sur du 6, j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4. En du 5. En du 5, sur du 5. Eh ben écoute, ça en fait 2. 2, il y a une sauvegarde à 4. Un crois un PV. Vas-y, tu peux réussir ta charge auto. Alors, euh, je déclare une charge sur le Brother Captain et le Librarian. Yes. C'est parti. Mon Guigui. C'est parti mon Guigui Oh Oh là là, le oh 12 Oh là 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 Le 12 à la charge Oh qui vont lui permettre, bien évidemment, d'esquiver l'intervention héroïque en contactant là et en se mettant... Euh, voilà, là, je ne peux pas faire l'intervention héroïque. Oh là 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 Ok, donc euh, le Lord Discordant, il va mettre ses attaques de Vouge en pâleur sur le Brother Captain. C'est parti. Et son Clébar, il tapera, bien évidemment, dans le librarian. Et le PPR, le chef de ch il tapera dans le librarian. C'est parti, c'est sur du 2 ⁇ Ok, donc j'ai... J'ai <laughs> bah si, bon, un échec et je fais un 6. Ouais. Donc j'ai une mort aux faux empereur Ah. Ça passe Ensuite, je suis à force... x2, donc je suis à force... force 8 Ouh Ça me du... à 2 Du 2+. Plus. De plus, messieurs. Hop Ça fera 4 sauvegardes à PA-2, et qui font 2 dommages. Donc le, le... le... brother captain a une vue à 4, et comme il a la warding stave, il a une plus 1 à, au corps à corps, ce qui fait que notre ami a une 3+, invulnérable. Bon, Pas bah... Basel top, comme on dit là-bas. Okay. Et le clébard sur le limit... Alors, le PPR Ouais. C'est du 2 plus. Ah oui. Pas de mort aux faux empereurs. Donc c'est de la force plus 3. Donc c'est de la force 7. Donc oui. c'est sur du 3. 3 plus. Et ben. Okay. Ça en fait 3. Et, Et donc là c'est de la PA-2 pour D3 dommages. Donc PA-2, j'ai une save à 2. Du coup ça me fait une save à 4. Euh, 4 plus. Et combien de damage D3. Allez, il faut que ça tienne mon Liby. Ouh, vengeance pour tous ces six qui m'appellent sur ces sauvegardes. Ce Et donc j'ai une petite attaque de oui, technovirus. Mais... Ouais, je tente dans le librarian du 2 ⁇ Cassé. Ça touche. Force plus 4, donc c'est Force 8. Oh. Tiens, dans les chicots. Allez, la prochaine fois tu l'annonceras avant de taper comme ça. Ah. <laughs> je me rappelle plus, j'avais celle-là. Oh la tristesse. Oh il va tellement se faire cueillir ce baltringue de Lord discordant, Ça va être génial. <laughs> Ok, donc on a le Skull Master qui va taper dans les paladins, donc le petit monsieur, il a trois attaques de base. Comme il a chargé, il est corne, il a une attaque en plus. Donc, d'abord je vais taper son profil avec son épée, et après c'est Pépère, c'est Pépère à sa mère qui ouais, va... Il faut savoir qu'eux sont toujours sous l'aura de mon moins "-1 pour blesser", de ma phase de psy précédente, la cuirasse. Donc c'est donc... surdu de plus. De plus monsieur, de plus. Donc, voici. Ok, voici voilà. Donc euh, alors, il a force 5. Il a force 5, comme il a chargé il a force 6, donc c'est sur du 3 euh, 3 plus 3, 3, du, du coup ça passe plus. à 4 Alors C'est ça qu'on veut voir Celle-ci, qui... elle est P à moins 3, mais a fait 3 dommages flat Ok Et celle-ci, elle est à à moins 3, mais a fait D3 dommages Ok, donc je vais faire celle qui, à, qui me fait 3 D3 dommages, qui me fait 3 dommages flat C'est sur du 5 plus 1 vu, allez mon coco Ok, donc ça 3 fait flats, un mort Ça fait un mort Et euh, le deuxième à 5 plus 1 vu encore oh Donc ça fait D3 D3 D3, D3 ça fait 3 oh Bam Deux morts Blam 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 a qui qui a chargé là Y'a personne qui a chargé dans les deux là euh, Non j'ai oublié, oublié le Dark Apostel. Donc après, euh, ça va être en mode taper, donc je vais t'enlever lui, et je vais t'enlever... ...lui. Ok, parce que c'est pas fini C'est pas fini Ouais non, de toute façon, c'est tous ces 4 400... qui m'étalaient. Et d'ailleurs, je pouvais, si j'ai fait un 6, je pouvais refaire une blessure, c'est pas grave. Fais taper ton clébard. Le clébard De plus Tout ça d'attaque le clébard Euh, c'est bon. Il a force plus 3, donc il a force 5, force 6. Comme il a chargé, ça fait force 9. Mais c'est sur du 3 du coup. Ok. Donc deux blessures. Ça n'a pas de PA ça Rassure-moi. Euh, si, je charge, dévastat charge dévastatrice, PA moins 1. Voilà, donc j'ai une save de... à 3 plus. Et c'est un dégât. Et je prends un PV. Et Je vais le mettre sur ce vil palefrenier là. Et J'ai oublié de charger avec le Dark Apostle. Ça me saoule. Donc ensuite, je vais activer mes horreurs qui vont taper, qui vont avoir 8 attaques sur les strikes. C'est donc à moi de la bagarre. Euh, il m'a fait une strike et moi je lui ai fait combien 4 quatre portes. 4 quatre petites horreurs qui sont mortes. Et puis maintenant je vais pouvoir m'activer. Là, ça va être la On va commencer par ici. Je vais venir le cueillir. Il a fait le malin avec son ordre discordante. Je vais commencer par activer mon brother captain. Il a 4 attaques de base et il en a une cinquième parce qu'il s'est fait charger. Il touche sur du 2 plus uh, reroll des as puisqu'il il se donne sa reroll à lui-même. Ok. J'ai une force de plus 2 puisque la warding stave qui n'est pas effectivement wizywig, je vous l'accorde, mais qui est présente donc euh, sa force 6, il a un endu de 6, je le vais être sur du 4, il a les keywords démon donc je pourrais relancer mes blessures, c'est plutôt pratique de les relancer vu ce j'ai plutôt foireux. Ah, ah bah c'est ah pas ah foireux. Ah euh, moins 1 et c'est des 3 dames, je me suis. Donc, 3 plus. 3 plus monsieur. Ça tank. Ça tank. Ensuite le librarian, lui, il a 3 attaques plus une parce qu'il était chargé. On est euh, sur du 3 plus et on est sur Non, le librarian, c'est sur du 2 plus pardon et on est encore sur du 4 reroll. Ah, c'est un peu mieux. Attention, le suspense est à son comble. Et ça fait 3 sauvegardes à 3 pour mon camarade. Toujours moins 1. Toujours moins 1. Ça tank Oh là là, ça sauvegarde, ça sauvegarde. Et maintenant, je vais activer euh, mes Bozolov Et je vais venir. Donc lui, il est contacté ici. Non, lui, je vais venir privé. buter son clé Lui va taper dans le clé Lui va taper dans le dark postal et, euh, et en fait, non, je vais... je vais rester en cohésion pour garder l'objectif. Je vais rester là, lui ne tapera pas. Donc il y en a trois qui vont taper dans le clé et un qui va taper dans le dark apostal. On se retrouve une fois que les coups sont partis. Les attaques sur son chien-chien, sur Green Lantern, c'est sur du 3. Je vais ramasser les réussites parce que apparemment c'est pas fifou. T'as le Keyword démon, bien évidemment. Bien, bien sûr. Et donc je le blesse en du 5, je suppose. En du 5. Je le blesse sur du 5 plus et c'est relançable. Ça fait plaisir la relance. Eh bien écoute, c'est de la PA-2. 5 plus. Ça fait 2 des 3 oh, Combien de PV il lui reste Il reste 4. Ça peut suffire. D3, 2 des 3 Bah c'est propre. Ouais, de toute façon c'est sûr les Allez, ça c'est fait. Ensuite, j'ai un gars dans le Dark Apostle qui est là-bas. Et donc, euh, il va prendre cinq attaques. Je vais le toucher sur du 3. J'ai aucune relance d'aucune sorte, mais ça passe. Et, euh, et du coup, je vais le blesser sur du 4. Et j'ai pas de relance parce qu'il n'a pas le keyword démon. Et euh, bah écoute, il y en a. Deux qui passent monsieur, c'est PA-2, ça y va 5 allez, euh, allez, allez dans, allez. dans tes allez, gencives, allez. dans tes valseuses. Allez, Je pense que c'est une fin de tour pour toi, non C'est une fin de tour pour moi. Je vais faire le petit test de com rapidement sur les, sur les horreurs. Oui monsieur, j'en ai perdu 4. 4, 4 et 1, 5. Ce ouais. qui passe... Tu m'as tué une Un strike, seul. pas de test de morale. Ici tu m'en as tué, ils sont encore 5, tu m'en as tué 3. Euh, j'ai un commandement à 9 sur le, sur, le, sur le patron. Du coup, ça passe automatiquement. Et ensuite, ici, tout ce bazar, on est bon. On est pas mal, non Qu'en pensez-vous Ok, donc fin de mon tour. Alors au niveau du scoring, j'ai un objectif euh, et je conteste un objectif, donc j'ai un point. J'ai détruit au moins une unité, donc euh, j'ai un autre point, donc ça me fait deux. Je ne, marre, je, je, ne, je ne marque pas les l'objet bonus parce que j'ai pas quatre objectifs, mais par contre je finis de mon objectif secondaire euh, gangbuster. Donc euh, là j'ai pris les points maximum. Donc euh, es content. Voilà. je suis content d'être joyeux. Donc là j'arrive sur mon tour 5. Euh, on a tous les deux, on sait tous les deux vraiment bien bien atomisé le, le groin. Du coup on n'a plus grand chose sur table. Mais bon, il est temps de lui rentrer dans l'art, donc là je vais tout avancer, me mettre en position de smite, de corps à corps, la grosse bagarre, la grosse rafale, c'est la fête, euh, on y va, et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Ok, donc là j'ai me, désengagé mes deux persos qui étaient au corps à corps ici, j'ai avancé euh, mon apothicaire pour venir apporter euh, du portail, et surtout il s'est mis à côté du, du librarian qui était blessé, et donc sur un 4 ⁇ je vais pouvoir lui faire gagner euh, des 3 points de vie. Et donc ça passe et je lui fais regagner deux points de vie. Euh, hop et donc il en a perdu plus que 1 Ensuite, euh, ben, je vais immédiatement passer à ma phase de magie. Je suis toujours sur ma marée, euh, ma marée d'escalade pour Putain, envoyer des gros changer de marée. Depuis... Donc là ici, je vais envoyer un smite dans les horreurs pour essayer de le sécher de bonne fois pour toutes. Voilà. Ça passe à réglé. 10, Il ne peut pas me jurer donc ça fait 4 mortes. Je suis comme ça désengagé ici et ça fait plaisir. Euh, ensuite, je vais Envoyer euh, je vais envoyer un premier smite avec Voldus dans son groin à lui. Ça passe. Tu peux tenter euh, Je vais tenter, ouais. Ok, ça, fait, ça passe à 7. Non. Il prend 4 PV. Bah, je ne peux plus abjurer, vas-y. Euh, euh, je vais envoyer... Il est à 8. Je vais envoyer le smite du Libby. Ok, il est à 4. Ça passe. Je vais <laughs> envoyer le smite du... du... Chaplain. Euh, je vais envoyer le smite du... Pas du Chaplain. Je vais envoyer le smite du browser captain. Et voilà, c'est réglé. Il est mort. C'est injouable. Injouable. Ça, ça queen côté démon. <laughs> euh, du coup, je vais envoyer mon portail comme prévu sur mon apothicaire. Euh, D'ailleurs, non, je vais plutôt l'envoyer sur le. Si, euh, sur l'apothicaire. Ça passe. Donc du coup, je vais pouvoir faire bouger mon apothicaire. Et celui-ci va venir se mettre sur ici sur l'objectif. Euh, ensuite, lui va passer le sanctuaire sur cette escouade-là pour leur passer leur plus 1 l'invue. Ils ont plus 1 un l'invue, un ils passent à 1 à 4. Et euh, notre camarade, le brother captain, va envoyer la cuirasse sur eux pour passer le, plus un, le moins 1 pour blesser pour l'adversaire. Ça passe aussi. Du coup, ils ont plus 1 un l'invue, un moins 1 pour être blessé. Euh, il me reste le sort du chaplain et là je vais passer, je vais changer ma tide et je vais passer en marée des ombres pour euh, gagner le couvert et surtout le moins 1 pour être touché quand je suis dans un décor. Et ça passe aussi, c'est parfait, tout est passé, tout est bien comme euh, c'est censé l'être. Euh, je finis donc ma phase de psy. Ok, donc là, ben, en tir, j'ai mes persos et ma petite strike. Donc je vais faire tout tirer sur ce personnage-là pour essayer de le sécher au tir. Et on se retrouve si j'ai réussi ou pas à la fin de ma phase. Fin de ma phase de tir, j'aurais réussi à enlever 2 PV à grand coup de Stormbolter. Et maintenant, je vais passer sur ma phase euh, de charge. J'ai pas de charge à faire parce que mon adversaire est trop loin. Euh, néanmoins, si, je peux charger lui. C'est une charge à 11 et j'ai une relance. Et ici, c'est une charge à 11 et j'ai une relance. Et ici, non. Donc, je vais faire charger mon Browser Captain sur son sorcier qui est là. Charge à 11 relançable. Non, et je vais faire charger mon Libby, toujours sur le même, charge à 11, relançable. Et ben non, voilà, c'était tenté, ça mangeait pas de pain. Euh, et puis bah je vais activer mes paladins qui sont encore encore à corps, pour faire des trucs un peu sympas. Ok, j'ai fait mes mouvements de piline, donc j'ai fait le choix de quitter cet objectif-là pour me mettre en contact avec le Dark Apostale. L'idée c'est de tuer, donc j'aurai un, deux, et le troisième qui a moins d'un pouce de lui pour taper, et les deux autres vont taper sur les petits glands qui sont là-bas. L'intérêt c'est bien évidemment de tuer le Dark Apostal, et après sur mon, sur mon mouvement de consolidation, de venir contester ces objectifs-là pour marquer l'objectif bonus de mon, du tour, hein, vous l'aurez compris. Après un âpre combat, euh, nos deux petits loustics-là sont décédés, et euh, je vais faire taper mes trois gars sur le Dark Apostal. J'ai plus cinq attaques par type, j'en ai plus que quatre, puisqu'on euh, est sur une deuxième phase de, de combat pour eux, ils étaient déjà au corps à corps. Je les touche, je les le touchent. touche sur du 3+, bah, forcément. <laughs> voilà une le... justice tiens. Je vous fais du 3 euh, comme si c'était du 5. Donc il y en a que... Sur, sur 12 attaques, j'en ai que 5 qui passent. Et je le blesse sur du 4. Oh, oh, oh. Est-ce qu'il a l'air à 4 lui <laughs> Il a l'air à 4 Donc ça en fait 3. Attention le roi de l'invue est dans la place. C'est D3 C'est D3. Bah vas-y. Envoie. Tu il places. a 4 PV Il a ouais il a 4 PV ouais. 4 PV, 2 D3. Il me reste un point de com au pire des cas. Je vais Deux, utiliser trois. mon dernier point de com. Allez, 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 allez! allez, allez. Oui, oui, le mort, sale chien crème! Ah! <laughs> tu donc, ce va me permettre de faire un petit mouvement euh, de peeling, de consolidation, et donc de venir recliquer l'objectif. Ok, j'ai fini ma, ma phase de consolidation. Donc, j'ai fait revenir tout le monde dans le décor. Bah, L'idée, bien évidemment, et c'est pour ça que fait passer en, je suis passé en, en marée des ombres, c'était pour après mettre moins 1 pour toucher sur les Oblites parce qu'il va encore me rafaler dessus à l'Obliterator sur le prochain tour. Euh, j'ai fini mon tour. Donc, je vais scorer sur les objectifs primaires. Un point parce que j'ai tué une unité, un point parce que je tiens un objectif. Ça, c'est acquis. Ensuite, fin du round de bataille, j'ai tué. Le Lord Discordante, les Horreurs, le oui. gros mec sur son clébar, les deux petits gars et le Dark Apostal. Donc je tue plus d'unités que toi. Oui. Donc je mets un point supplémentaire aux objectifs secondaires. Et je tiens plus d'objectifs que lui. Donc je refais un tour à 4 points aux objectifs, pardon, aux objectifs primaires. Je remets 4 points. Sur les objectifs secondaires, je vais tuer... Un personnage, le chien c'est un personnage, oui Lord Disco c'est un personnage donc je vais... Dark, Dark mais bon de toute façon je, je suis jalonné à 4. Je pense que es, donc es cool, mis, bon. Je remets deux points sur mes objectifs secondaires qui étaient de tuer des personnages, du coup je suis full sur cet objectif là. Et, euh, et le petit bonus c'est que, euh, que je suis une truffe, je viens de me rendre compte, bah oui. parce que le but c'était de Mais bon, les... bon tant pis, bah, voilà, c'est pas grave, donc j'ai pas le point bonus parce que j'ai quitté cet objectif là pour me mettre dans le couvert et c'est surtout pour mettre dans le vent ces canons laser, bon ben bah, voilà, c'est un choix. Euh, c'est pas forcément volontaire, <laughs> mais c'est la vie. <laughs> Ok, donc début de mon tour 6, donc euh, bah, ça va aller assez vite. Euh, bah, là je vais tenter pareil comme euh, le tour d'avant d'essayer de grappiller quel des points pour, euh, pour sauver l'honneur. Donc euh, le Master of Possession va, va bouger pour aller smiter lui et éventuellement le charger pour essayer de le finir et me faire marquer un point d'objectif secondaire au chasseur de tête. Les oblitérateurs vont, vont tirer sur les paladins, éventuellement les charger pour les finir si je peux. Là, de toute façon, les canons laser ils sont dans le vent, il n'y a, de... a, a pas de cible éligible. Donc, euh, bah, je vais... ils vont se contenter de garder l'objectif. Donc, je pense qu'on peut passer directement à la phase psy. Ouais. Donc, euh, moi, au début de son round de bataille, hein, bien évidemment, j'ai mon chaplain qui fait sa litanie, et je vais passer le plus... Euh, ça passe, donc ça passe. Le Voldu Du sera plus 3 pour dispel. Ok, donc je vais commencer par le caster qui va donner sa petite relance gratuite. Ça passe. C'est parfait. Euh, je passe peut-être un dispel à 24 pas. Je... Oui, ouais, bah vas-y, tu peux. Dispel des paladins. J'ai fait 9. Vas-y, c'est bon. Ok. Euh, le smite dans le Libye. Bon, ma doublasse en plus, je prends un PL. Péril, allez. Oh, c'est tellement la moche. <laughs> oh, Deux PV. C'est tellement laid. <laughs> c'est <laughs> tellement laid. C'est génial. Oh, la laideur du truc. La puissance des GK, on domine <laughs> totalement l'univers psychique qui nous entoure. <laughs> La laideur du truc, ok les oblites ils vont tirer là-dedans Allez Ok donc il m'a fait, euh, il a fait des très mauvaises stats sur son jet de Puisqu'il a fait plus 1 la force que moins 1 PA et que 1 damage Du coup il me tue un paladin et un PV Donc euh, plutôt content sur euh, la manœuvre et Je vais tout de suite tenter la charge sur les paladins Tu me fais ta contre-charge Oui je te fais la contre-charge, on va la faire hors champ Donc il s'est rien passé durant la contre-charge donc c'est parti donc charge à 8, easy cash money gang. pas de soucis. <laughs> la dernière fois qu'il a chargé dans cette partie avec des oblitérateurs, ça s'est très mal fini pour lui. Je tiens à le préciser. <laughs> On va voir s'il rééquilibre ou pas euh, l'univers connu. Ok. Ouais, il va pouvoir taper hein, de suite. Dans la Donc Ils ont 4 attaques. Euh, grâce à comme ils ont chargé, ça fait 4 attaques. Oui. Il est touché sur du 3 3 plus. 3 plus. 3 plus. Zéro mmh. reroll. Oh la moche, <laughs> Ah, on peut là pas. Là ouais. On peut pas, on peut pas tout à l'heure. J'ai force 6. j'ai rendu 4, mais j'ai moins 1 pour être blessé, donc tu me blesses sur du 4, 4 plus. Donc ça en fait 3 APA, c'est PA-1, moins, moins, moins. PA-1, moins c'était moins, PA moins, euh, moins 2, il me semble tout à l'heure. PA-1, PA-1. Donc c'est une save à 3 plus, c'est D3 damage, non D3 damage. Donc 1 D3. D3. Ça suffit. Bah, il y en a un mec qui avait été déjà usé, donc lui va mourir. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir riposter. J'ai trois gars qui vont taper. J'ai été chargé. J'ai donc cinq attaques par mec, ce qui me fait 15 taquets à mettre dans tes oblites. Est-ce que je vais les sécher sur mon tour Ça serait génial. Vas-y, on envoie des dés. C'est parti. C'est la fête du slip. Je vais te toucher sur du 3 et je vais te blesser sur du 5. Et ça sera relançable car tu es un vil démon. C'est parti sur du 3. Donc moi, je touche toujours aussi bien que de façon générique. Exactement. <laughs> euh, bah, est... Bon, pas ça vrai. va, c'est correct. Ouais, et on est sur du 5 et c'est relançable. C'est pas dégueulasse, ça en fait 4 qui passent. Voilà, ça en fait qu'une de mieux. Donc et ça bah, te fait 5. Et bah du coup ça te fait 5, c'est PA-2 et c'est D3 damage. PA-2, donc sauvegarde à 4. Oui monsieur, oui, monsieur. et bah... Ça fait 2, il bah, y en a un qui meurt déjà. Non, c'est 2 D3. Donc... Oui mais il y en a un qui meurt, il avait plus qu'un ah oui. PV. D'accord. Et vas-y le suivant. Et le dernier D3 dans sa mouillasse. Ok, bah, il reprend ah. un PV. Donc euh, je dois enlever celui qui passe sur l'objet. Hop là. Et on est bon. Et je pense que c'est une fin de tour pour toi. Ok, donc fin de mon tour et donc euh, fin de ma partie pour moi. Donc, malheureusement, je ne marque euh, qu'un point d'objectif primaire, c'est-à-dire celui où je contrôle au moins un objectif. Euh, maintenant, euh, le seul espoir qui me reste de marquer des points, c'est euh, de contrôler euh, encore celui-là à la fin de la partie. Mais à mon avis, avec les smites et tout, c'est fortement compromis. Donc, à mon avis, ce sera mon seul et dernier point pour ce tour. Et là, je laisse la, la main à toi. Hop. Ok, alors moi ça va être très simple, puisque concrètement, je vais essayer de mettre 4 points aux objectifs primaires en tenant au moins un objectif, en euh, détruisant au moins une unité, c'est-à-dire les hoplites, et en tenant plus d'objectifs que lui, ce qui sera déjà le cas, et en tuant plus d'unités que lui, ce qui sera déjà le cas. Donc je vais mettre mes 4 points. Maintenant, je vais essayer de faire, pour finir mon tour, un sanctuaire pour envoyer, pour téléporter une unité dans un quart de table, ce qui fait que je vais tenir un quart de table là avec... Mes, mes paladins, un autre quart de table avec un mec que j'ai fait, un quart de table ici et un quart de table ici. Et comment tu mettras L'honneur de faire euh, un, un, un petit, un petit, au moins un point sur cet objectif secondaire là avant la fin de la partie. Et euh, je vais faire tout ça et on se retrouve une fois que ça sera fait. Ok donc là bah, tout simplement j'ai euh, mis cette unité là dans ce quart de table là. Il faut qu'elle soit entièrement dans ce quart de table ci. Donc eux viennent de s'installer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, fait Advance, mon Browser Captain, pour capturer cet objectif-là, puisque je compte bien tuer ces deux-là. Et euh, j'ai laissé lui sur cet objectif-là qui contrôle ce car. Lui sur cet objectif-là qui contrôle ce car. Donc maintenant, on passe à la phase de magie. Donc là, je vais passer en Tide euh, Warp. Donc avec lui, je vais passer Changement de Tide. Donc je passe en Tide euh, d'Escalade pour, euh, pour faire du gros Smite. Maintenant, je vais envoyer un Smite avec mon Libby dans eux, Donc ça fait 4 PV. Ensuite, je vais envoyer mon, pas mon sanctuaire, mais mon, ma, ma Gate of Infinity sur le Libby qui vient Smite. Ah, ça passe pas. Ah, c'est laid Et j'ai plus de point de com, n'est-ce pas Donc, euh, bah voilà, j'ai raté. J'ai raté. Je pourrais pas faire mon icon. Tant pis pour moi. Et euh, je vais envoyer un Smite avec mon Browser Captain. Ça passe. Donc, il est mort. Et, euh, et très sincèrement, je pense qu'on peut s'arrêter là au niveau de la partie. Il n'y a plus grand-chose de plus à faire, ce qui fait qu'à la fin de mon tour, Moi, je, mets un je mets mes 4 points d'objectifs primaires. Je mets aussi, euh, bah, je mets pas de points sur mes objectifs secondaires puisque j'ai déjà fait. Mes 8 points sur les 2 objectifs de destruction que j'avais et mon objectif manœuvre, bah, au niveau du recon, j'ai rien fait du tout. Donc voilà, j'ai rien de plus à faire. Par contre, je mets un petit point bonus parce que je tiens 4 objectifs. Ce qui fait que sur ce tour-là, je vais quand même mettre 5 points. Et ça, ça fait plaisir. On arrive donc à la fin de la partie. On vous fait le, on vous fait le point sur le scoring final et on se retrouve pour le débrief de la game. On se retrouve pour la fin de cette partie de ce rapport de bataille. Déjà, merci à toi Nounours d'avoir participé, c'était vraiment cool. Bah, le plaisir est pour moi, c'est toujours, euh, toujours aussi agréable. Bah, franchement, on a passé une bonne partie, on s'est bien marré. donc ça c'est déjà la première grande réussite. Ça, ça fait plaisir. Avant de commencer le débriefing, je tiens à remercier euh, nos partenaires et sponsors, à savoir sur ce rapport de bataille-là, le tapis nous vient de crank Game, lien et code de... promo dans la description. Les décors nous viennent de My Scenari, lien et code promo dans la description. Les accessoires nous viennent de My Scenari, lien et code promo dans la description. Vous retrouverez aussi sur ce rapport de bataille les QG de l'armée GK qui ont été peints par le service de peinture Wacolor, lien dans la description. Et le Lord Discordant qui a été utilisé dans son armée nous a été peint par Babel Ben Miniz, lien dans la description. Je tiens aussi à remercier euh, eh bien, euh, tous les gens qui, qui aident et qui participent au niveau de la chaîne. On a Wark que vous ne voyez pas mais qui est euh, derrière la caméra et qui euh, est au montage et à la réalisation. Et puis on a aussi toutes les petites mains de la chaîne qui, qui mmh, font mmh. De, cette, de cet événement une, une réussite totale. <laughs> c'est clair. Voilà, en tout cas, on passe sur le débrief. Le score final de cette partie, c'est 28 pour les GK à 18 pour le Chaos. Ce qui fait 1028 à 18 qui fait au final si on était en tournoi ouais. pour ma première ronde si c'était la première ronde et pour ta première ronde il y aurait un 1028 à 18 ouais. euh, mais euh, globalement ce que je trouve intéressant de voir c'est que bah, on a un écart d'à peine 10 points ouais. sur un match que s'il avait, si oh, avait été joué sur un format TC, je pense qu'on serait sur sera un, un 20-0. Ouais. Donc, ça, je pense, déjà. Débat. La première chose qu'on peut retirer de ça, mm. c'est euh, l'équilibrage du scénario. Moi, j'ai trouvé que la partie était jouée. Euh, c'est joué jusqu'au tour 5-6, où là, là j'ai vraiment pu renforcer le clou tour 5-6. Ouais, Mais sinon, jusque-là, ouais. on s'est tenu. Bah, c'est vrai que, bah, déjà, moi, je partais quand même avec un sacré handicap. Parce que, bah, on l'a vu, de toute façon, euh, les smites à 4 PV flat direct. Euh, euh, les re, le jet de relance euh, les blessures relancer les blessures au corps à corps et tout ça ça m'a vraiment mis dedans donc je partais vraiment avec un match up, euh, match up négatif plus plus mais au final euh, 10 points d'écart je trouve que c'est pas, pas, pas débile c'est pas déconnant donc j'ai réussi à j'ai réussi quand même à m'en sortir un petit peu donc voilà c'est cool euh, je m'attendais c'est vrai qu'avant de venir je me suis dit oh la vache euh, à mon avis euh, je vais prendre le tarif, mais 10 points d'écart, je trouve qu'au final, je, je m'en sors pas trop mal. Non, non, c'est cool. Franchement, ça, ça, moi, j'ai vraiment trouvé que la partie s'est jouée. Euh, il y a eu des bonnes phases de côté, il y a eu du craquage de la réussite. Mmh, c'est clair. Euh, maintenant, en ce qui concerne le format ITC, très sincèrement, je suis euh, très emballé par cette ouais. partie-là. Après, euh, bah, ça va être à creuser un petit peu. Mais là, pour ce qu'on a joué et pour, euh, play, on va dire, c'est un peu un playtest de cette bêta pour nous. Euh, vraiment très plaisant avec le système des secondaires, des primaires. Et puis c'est a... simple, alors le... Le comptage des points, il n'y a, a pas de possibilité d'enfumage. C'est hop, j'ai un objet, j'ai un point, j'ai ouais. tué. J'ai un point, il n'y a pas de... Je trouve l'utilisation de la feuille de score très bien faite aussi. Vous l'avez dans le, dans le rules pack qu'on vous a mis en lien dans la description. N'hésitez pas à aller le voir. Vous avez la fiche de scoring qui est propre à chaque scénario. Ça, c'est super intéressant et c'est hyper utile. Euh, voilà, moi je, je pense que je suis emballé. Très sincèrement, je suis emballé. Mais mine de rien, euh, on disait, euh, si je peux ajouter un truc, sûr, on hein. disait que les qu'on était plus dans la, euh, dans, le, dans la présentation, on disait qu'on était plus euh, dans ouais. la létalité. Ouais. Mais mine de rien, on se rend compte que la prise d'objets, euh, elle est quand même prépondérante. Alors peut-être pas dans tous les scénarios, parce que là, on a fait un scénario à, à six objectifs, mais on a quand même une notion de map contrôle qui est, qui est importante quand même. Bah, sur ce scénario-là, en vérité, on a fait six tours, donc on peut prendre deux points maximum par tour pour la, destru pour la destruction de ces objectifs primaires, ouais. il ce qui nous fait bonus. 12 points. Non, le, le, le point bonus, c'est que du point de scoring. Ah oui, donc, ça, fait, oui, ça, ça fait 12 points à prendre sur la poutre pure, sur la poutre pure, sur les objectifs primaires. Oui, oui, oui. Et il y a 8 points maximum sur euh, la poutre pure, sur les objectifs secondaires, ce qui nous fait bah, bah, 20 points sur, sur le total. Euh, donc, voilà, ça laisse de la place pour, pour la manœuvre et la géométrie du jeu. Donc, ça, c'est assez ouais, intéressant. Il faut, faut quand même buter des... Par exemple, la liste full plate-bear, je pense qu'en ITC... Euh... Par exemple. A voir. Euh... Après je pense ouais, que vraiment sur ce, genre de, sur ce genre de scénario, il y a une nouvelle méta qui s'offre à nous. C'est les joueurs qui, clair, vont, ouais. qui vont orienter mmh, tout mmh, ça et, mmh. et pouvoir nous dire ce qui tourne, ce qui tourne pas. En tout cas, allez-y. Testez les scénarios, on vous les a traduits, ils sont en lien dans la description. Faites-vous plaisir, testez-les au niveau de vos associations. Si vous êtes organisateur de tournois, testez-les dans vos tournois, testez-les euh, dans vos groupes de joueurs. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi ce rapport de bataille. Vous pensez à mettre le pouce bleu des familles, à vous abonner et tutti quanti. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos au format ITC sur Commander TV. Ciao les seigneurs guerre. guerre.